être déçu ce que tu veux, je m'en bats les couilles. S'il y a des moments où je vais pas me sentir de stream, je vais pas stream, mais c'est tout à fait logique et normal. Merde. C'est vrai que les mecs, il y a des grands changements là. En plus, j'ai besoin de votre avis, frère. Cette soirée, Amé a été impériale. Bah déjà, Tanami, il est parti. En gros, il arrête le jeu, je crois que ça l'a saoulé ou quoi. Enfin, il avait marre de jouer. Alors qu'il venait de passer commandant. Je suis dégoûté, frère. Genjutsu. Et en gros, les mecs, regardez. Ah, il a des examens. Ah ouais, miskin. Pas force à lui, alors. En gros, les mecs, regardez. Maintenant, tu dois choisir entre le Kenjutsu ou bien le Taijutsu. Ils avaient dit, ouais, si t'as une épée de la brume, tu dois prendre le Kenjutsu. Sauf certaines épées qui ne sont pas trop enchantes. Par exemple, Sameada. Donc, en gros, je pourrais rester... Je pourrais rester... Je pourrais rester, comment dire... Taijutsu, garder ma fleur de lotus. Et rien ne change par rapport à avant. Mais faut que je vous montre le Kenjutsu. Parce que... il y a des trucs, c'est vraiment stylé. ATM, c'est OP. Ouais, c'est pas encore équilibré. Ça se trouve, ça va puer sa mère. Et dans ce cas-là... Décorant. Je vois. Intéressant. Vous êtes pas Tokubetsu, vous? Non, Malheureusement, pas du non. tout. J'aurais bien aimé. On est gagné confirmé. Ah, ok. Karia, t'es Bah, Tokubetsu, toi, non? Nous étions en combat Respect. et c'est passé Respect. quelque chose. D'accord. T'es Tokubetsu ou pas? T'es en revanche, peut-être? C'est ça, Tokubetsu. Voilà, bah, viens avec moi, alors. Je dois faire des tests, si ça te dérange pas. Ça marche. Merde, wesh. Oula. Ah, ils l'ont disable pour ce soir. Ah, mais je perds beaucoup de L'équipe. dégâts. Ah, c'est vrai qu'il était buggé, il faisait tout bugger. Mais frère, et ça... Ah, ok, il est déjà là, du coup. Attends 2 secondes, hein. Bon, vas-y, normalement, dites-vous, j'ai un boost en plus. Bouge pas, bouge pas. T'as de l'équipe. Ouais, équipe-toi si t'as de l'équipement. Comme ça, je regarde Ça marche. la vraie situation. Regarde. En gros, je vais mettre invisible, admettons. Là, je suis en bataille ou en Ah, guerre. juste attendez. Ah, bah attends. Pourquoi mon clic droit il part pas direct, frère? Ah ouais. Vous étiez équipé? Non, vous étiez Ça... pas équipé là. Si, si, j'étais équipé, j'avais T3, au-dessous de T3 et après pendant longue vie T3 aussi. Ah ouais, ok, y a pas C'est de... du loot, mais... Pas d'armure, ok. Monsieur Mazaru. Monsieur Oui, Mazaru. oui. Ça vous dit un combat à vie, hein, au Kenjutsu, je suis sûr que je peux gagner. Ouais. Allez, si vous voulez. Ouais, Mais venez, attendez, attendez, je teste des trucs encore. allez, venez. Ouais, bah allez-y, testez. Moi aussi, je vais m'entraîner alors. Venez, venez, Merci on s'entraîne. beaucoup. Oh, vous avez la Regardez, même vue que mon père hier! je vais vous montrer un bail de fou. Ah ouais? C'est qui ton père? Alors, Nico. Ouais! Alors, C'est Zekiro! Ah! Elle a aussi intelligente ton père! Mais respect! Mais respect, mais respect. Vous avez Zekiro Kaguya! Bon, c'est à adopter, mais bon, faut pas le dire. Laisse-moi Vas-y! tranquille, frère. Ils vont me taper. Ouais. Allez, écarte-toi là si tu veux pas que je te tue. Ok, c'est bon, c'est bon. Les profs sont en déclin, mais bon. Regardez les gars, ce que je peux faire aussi. Et là, le combo Yasuo. Ouais, c'est quoi ça? Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Respect Maître Mazaru, quelle Mais c'est pas puissance. rentable de faire ça, Ouais, merci, non, ça merci. plaisante pas. Avoir Ouais, sa 7-7, mère mais je suis à pas l'œuvre, sûr c'est. que vous puissiez gagner le combat en avion contre moi, quand même. Je suis pas sûr. Ah, j'en doute, j'en doute. En fait, le meilleur sur Eh oui, celui sur 7-7, lequel mais je peux. osez relever le défi, Je grand Maître peux. Mazaru. Attendez 2 secondes. Regardez, en fait,
Il est parti où? Bouge pas. C'est parfait. C'est quoi regardez. Ça Ça. Écoute, t'as fait du Kenjutsu. En fait, là, je peux le grind direct et ça range mon épée direct. Juste ma nuée ardente, elle veut pas. Faut que j'appuie 4 fois, je crois, pour qu'elle parte, frère. Et ça, c'est un mix entre les deux et j'ai beaucoup plus de chakra, tu vois. Ah, ça manque d'un truc. Mais du coup, si jamais il y a un éclair, juste faire un déplacement, il est plus. Ah non, 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 tu peux faire ce que tu veux, ça change rien. Regarde, va te soigner. Ok. Quel déplacement, ma gueule, y'a aucun déplacement pour toi, frère. J'essaie d'esquiver ou pas? Ouais, vas-y, vas-y, situation normale. Ouais, non, j'ai raté. Ils ont remis les coups d'épée normaux, frère, c'est exceptionnel. Ah même, tu peux pas esquiver, tu peux pas esquiver. Le feu, moi, cette fée, je ne veux pas esquiver, je veux me battre. Ouais, bah attends, deux secondes. Ça me casse les couilles, celui-là. Hein? Attends, moi je regarde Maître Mazzaro, moi je vois pas de quoi vous parler. Ok, vas-y. Combat classique. C'est parti, il a pas marché. Ah, je t'ai dit, tu peux pas esquiver. Sinon, j'en ai un nouveau aussi, regarde. Celui-là, c'est le meilleur, je pense, les mecs. Regardez les gars, ça c'est ma spéciale, la spéciale Mazzaro. Oh. Ok. Celui-là c'est du 100% frère. Ah merde, je sais pas pourquoi il a été bum comme ça. Ah non, là il y a eu un problème, normalement tu dois pas être... En fait, ton corps il a été téléporté, j'ai pas compris pourquoi. Ouais, moi je suis du Kaijutsu, c'est sûr qu'on est trop fort le Kaijutsu. Salut, je suis Kairo, ravi de te rencontrer. C'est super pas sympa ce que t'as dit. Bon, là t'es censé être dans mon épée. Vraiment pas sympa. Voilà. Vas-y, je vais prendre une prison de glace et j'essaie d'enchaîner. Non, non, tout pas le tout pas. Moi je dis toujours salut. Mais surtout qu'on se connaît même. Ouais, ça va, mais alors on peut pas besoin de se crever tout. T'as pris des requins. Ça c'est méchant. Là. Ok. Là c'est bon, et après je te laisse tranquille. C'est pas censé m'éjecter. Ouais, c'est pas censé m'éjecter, mais là en fait, là j'avais pas ma dévoration en fait. C'est fou de interférer. Dévoration ? Ah, ok, c'est truc. Ouais, regarde. Ouais, voilà. Non, le déplacement, j'essaie de le faire, mais ça tu veux pas, vraiment tu veux pas. C'est fort. Mes respects. Mes respects, Yolga. Mes respects. C'est mon meilleur combo, ça. Yolga, mets ton équipement. Viens, toi. Je te montrerai un truc. Froid, là, ça y est. Pas ma tenue, maître. J'en ai marre. Tu la mérites pas. Vas-y, écartez-vous. Attendez, vous voulez un boost médecin? Aïe. Ah, faut mettre un coup de taijutsu, en fait. C'est vrai, putain. Bonne nuit. Avec un boost médecin, tu veux essayer? Mais je crois que tu meurs avant. Ouais, mais comme ça, vous voyez. Il y a de la régène aussi, hein. Vous voyez le deuxième coup que je mets là? C'est de la régène, hein.
moi. En fait, l'ulti Yasuo, il est pas warp, je pense. Il coûte trop de chakra, trop de tout. Il a fait quoi, Roro Kefta? Pas chance, c'était bizarre, frère. Après, je suis boost médecin et tout. J'avais pas la dévoration, là. Bon, bah, ok, bah, c'est trop fort, hein. Remets un boost médecin, tu vas voir là, c'est quoi. Vous avez dit ça? Après, moi je peux partir Taijutsu si jamais, hein, j'ai pas de problème, les mecs. Remets un boost médecin? Allez-y. Des fois, je peux... Bah vous tuez un truc de souffle T3. Ah en plus j'ai raté mon combo. Mais moi des coups de du tout. Attends, désolé, je me suis gouré. Aïe aïe. J'ai oublié de mettre la. En plus moi je suis pas combattant les gars, j'ai douche et d'autres mecs c'est encore pire. Hein. Mettre, en fait tu peux. On peut contre 4 contre vous. Ah ouais. C'est bien. Bon. Envoie un boost médecin dans... Ok vas-y. Excusez-moi. Après voilà, faut avoir un bon timing quand même. Yeah, parfait. Attends, recule, bon, allez, recule. Je sers plus les. Ah, vas-y, t'étais déjà mort, ok. Oui, t'es déjà mort. Mais le boost Kenjutsu, il est désactivé là. Moi, je pense toute la garde contre vous, on vous bat. Mais après, faut faire le test. Je pense que ouais, avec Nosaka il peut m'étrangler. Wesh, mon écran il s'est éteint. Merci père. Moi, je suis meilleur, l'écran éteint. Quoi. Merci père. Azagi. Alors celui-là il pue vraiment sa mère celui-là. Comment il coûte pas de stamina quoi. Il part jamais en fait lui. Je suis vraiment le spam click et mon épée elle est meilleure que la sienne. Merci. Ça pique. Les gars, je vais lui mettre le combo Yasuo. Y'a du tout, en vrai j'utilise mes yeux donc y'a rien. Ah non, c'est du Kenjutsu que tu racontes. Non, vous avez raison. Ah, t'as vu quelque chose dans le combat? C'est trop fort maître, votre épée vous suffit pas? Une RP. Attendez, est-ce que j'ai mon éventail? Attendez juste, hein. Ah ouais, c'est du Kenjutsu ça? Mais c'est très gentil. C'est une petite aide. C'est vraiment rien, hein. Y'a pas grand chose à en tirer, hein. Aïe, ça pique ça. Je l'ai pas mangé là. Je suis à moins 300 en tissu là. Ouais, bon. Tu m'as mis un négatif. Ça y est, normalement, j'ai vu ce que je voulais voir. Attends, parce que Nosaka m'a envoyé une missive. Oui, vous êtes pas au courant, on a capturé 25 Ninjatsuna. Non, je suis pas au courant. Il y a une diplomatie dans une bataille. Il y a une Elle est où la diplomatie? Elle est où? Venez, venez.
Aiwa? Non, elle est. Mes respects. Elle est Grotte Moria. En fait, pour faire simple, vous connaissez Kobura, le fils de Ebi, enfin, Oui, je connais Kobura. Il s'est suicidé suite à la perte de sa griffe, etc. Quoi, il s'est suicidé, Kobura? Mes respects. Attendez, rejoignez comme ça, je vous parle en radio, ça va plus vite. Oh, Sensei! Mes respects, Kolmatsu. Ça fait longtemps, c'est pas vu. C'est vrai. Bon, je te dérange pas. Rejoignez la radio après si vous pouvez, comme ça je vous. Mes respects. Merde, je suis en ouf. Tu mets à genoux pour le mettre ma pierre parce que il a perdu au dé. Ah oui. Bon, mes respects. Relevez-vous. On y va, monte sur mon dos. En gros, pour faire simple, Kobura s'est suicidé parce qu'il se sentait coupable. Et du coup, Nosaka a décidé de faire une offensive contre Suna sur tous les secteurs. Nous sommes même allés jusqu'au pays du vent. Et nous avons attaqué directement dans leur pays. Et nous avons capturé 25 ninjas, des membres de clans, des personnes importantes ou non. Et là, il y a une négociation et je ne sais pas, apparemment, c'est long parce que nous n'avons pas de réponse. On va aller apporter et des réponses. Voir sur le parchemin gardé Carlade, vous pouvez voir l'effectif, etc. Ah, il m'a envoyé l'effectif. On a vraiment bien travaillé. Il s'est vraiment suicidé ou il avait une naissance, frère? Et ah oui, aussi on n'avait pas de rang S, on avait seulement deux Johnny, non? Eux, ils avaient des rangs S, des Johnny, etc. Chaque fois que... Moi, à chaque fois que je suis là, il n'y a rien, c'est ça qui m'énerve. En fait, si vous regardez le parchemin Garde Écarlate, vous saurez quand il y a des... On prévient toujours. Ouais, je sais, mais j'étais pas là aujourd'hui. Calme, achète. 1, 2, go, saute. Vous l'avez? Ah. Je l'ai. Oh. Je rigole, je te le laisse. Vas-y, monte sur mon dos. Maître, je suis pauvre. Non, c'est juste là. Ah, je sais, mais on y va en oiseau. C'est un ouf, il y a tout pour le flow ici. Non. Regarde, c'est à gauche ou à droite, j'ai oublié. Bah, tu m'entends? Y'a personne, hein? C'est derrière, maître. Non, c'est derrière. C'est. Vous voyez, au milieu, dans la place. Ouais. Vers la négociation? Il est derrière vous. Respect. Respect. Mes respects, maître. Mes respects. Eh bien, continuez. Oui, nous sommes en... Continuons. Nosaka, viens avec moi. Vous n'avez pas de nom, du coup, vous n'avez pas de... d'appellation. J'ai vu la liste que tu m'as envoyée. Je crois que c'est juste un maître, en fait. Où en sont les négociations? C'est pas un parchemin, c'est juste un maître qui joue dessus. Une négociation. Littéralement, nul à chier. C'était négocié contre des Ryo, nous n'avons rien gagné. Suna, littéralement, ne porte pas à des négociations. Dans leur logique abusive, Itsaku, le ninja qui est blond derrière, a osé me bloquer devant l'intégralité du Hokan. J'ai donc entrepris les démarches pour pouvoir lui trancher la tête. Lequel? Chef de la diplomatie et le bras droit du Kazekage qui maîtrise. Celui qui a le manteau de Suna. C'est le blond à la pommade. Sur l'estrade.
après la tête. Tu veux que j'aille lui payer une visite de courtoisie peut-être? Ça l'effraierait un peu peut-être, mais... Avec tout le respect, un étranglement et la visite de courtoisie, ce sera chez Nantes. Ah bien sûr, mais je crois qu'il y a des brisés de traité. Brisés de traité si on fait ça pendant la diplomatie. Oui, oui, c'est pour ça, je vais attendre. Je vais attendre qu'il s'écarte, je vais laisser rentrer chez lui lorsqu'il ne s'y attendra pas. Sur le champ de bataille, dans tous les cas, ils ont besoin de vent étant donné qu'ils maîtrisent le Kirin. Or là, malheureusement, il ne pourra pas. D'ailleurs, pendant l'offensive, personne n'est tombé à Bayami, mais il n'est pas... Hein ? Pendant l'offensive, personne n'est tombé à Bayami, mais il n'a rien de grave. Ne vous en faites pas, il n'a pas été relevé. Il a simplement perdu son équipement, alors. Salut. Denden Mushido. Je pense qu'on allait voir avant que je t'écrase les yeux. Ouais, bien que je pense qu'on est en train de discuter. Excusez-moi, ok, je voulais juste demander si pour le bingo book je pouvais prendre des photos ou quoi pour l'actualiser. Bon, vous êtes occupé. Allez-y, prenez une belle photo de moi. Le boucher de Tsunagakure. Provocateur du déluge. Bien fait, maître Sei. Comment t'as dit? Wow, ma tête. Vous allez bien? Très bien, et toi? Ouais, ouais, super. Le bingo book est toujours actuel. Je viens juste pour la réunion Kage, moi. Je sais pas pourquoi je suis là. Mais c'est pas maintenant, je crois que c'est bien après. Hein. Ouais, mais okay. J'ai pris de l'avance. Bien. Je vais aller écourter ces négociations, en tout cas, essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Bien, oui. Oui, oui, effectivement. Nickel. Ah, le déserteur, je peux vous donner l'information si vous voulez. Dites-moi, le déserteur s'appelait Isagi Aigiru. Et il s'est rendu au Pays de la Pluie lui-même pour se rendre. Ok, t'en gagnes une confirme. Gagne une confirmée. Oh là là, go. Pas une grande perte. Oui, voilà. Vous auriez pu le garder. Bon, je récapitule du coup. Pour la libération de vos ninjas, hormis Sanemisatsu qui s'est donc rendu en tant que traître de Tsuna à Ame, 850 000 ryo. Plus les deux immunités qui ont sauté contre les trois ninjas. Qu'on vous livrera dès que possible. Qui seront livrés Dès que réveillons tout simplement. Super. Je sais pas les gars, moi j'ai pas participé donc je m'en fous. Très bien. Ouais, pas de soucis. Eh bien. C'est une très bonne soirée. Il y a un très bon retour dans votre pays. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée, Sabotan. Merci à vous, Daikiru. Plaisir de faire bonne avec journée vous. À vous. Bonne soirée à tous. Attention à ta nuque. Vous habitez comment vous, monsieur? Laura, plaisir de devait être partagé par les ninjas de Tsuna, je pense. Allons-y, Sabotan. On se revient, au revoir. Au revoir. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit en partant? J'ai parlé à Nozaka qui m'avait lancé un petit pic. Et qu'est-ce que vous avez dit? Attention à ta tête, un Kirin tombe du ciel. Ce sont des menaces? Vous savez que Nozaka est mon élève et il fait partie de ma garde. Si vous menacez un de mes élèves ou un des membres de ma garde, vous me menacez moi directement. Excusez-vous. Non. C'était de la taquinerie, vous inquiétez pas, c'est juste ce entre Nozaka et les... Bien sûr, excusez-vous alors. Et Ninja Tsunda, vous savez très bien qu'il a fait quelques... Pourquoi m'excuser? Je n'ai pas atteint votre personne. Je vous l'ai dit, si vous attaquez l'un de mes élèves ou l'un des membres de ma garde, vous êtes directement mon ennemi. Excusez-vous et ensuite continuez votre chemin. Pourquoi compliquer les choses? Veuillez m'excuser, Mazaru Uchiwa. C'est vous, Mazao? Oui, c'est moi. Bon, au revoir et merci beaucoup pour la diplomatie. Bonne journée à vous. À la prochaine. Bonne soirée à vous. Très bien, Jin. Non, les gars, il manque de respect à la garde devant moi, je peux pas. Tu as ce GMK en toi.
En vrai, à moins que je demande la pression de chakra, hein. Je suis top 1 bingo book là depuis un petit moment. Top 2 bingo book depuis des années, t'as vu, on est ce ninja quand même. Juste pour le flow, frère. Maître Mazzaro. Quoi? Il est passé où, maître Nosaka? Ah, il avait quelque chose à faire. Non, c'est juste, j'ai pas demandé, les gars. Il y en a, ils disent, je comprends pas pourquoi tu l'as pas. Bah, j'ai pas demandé, en fait, simplement. J'étais surveillé. Ce village, vous l'avez vu aujourd'hui, il n'a aucun honneur, aucune dignité. Ah oui, non, aussi. Il y a une réunion ce soir. Oui, on m'en a enfermé, Je parle de la réunion des Kage. C'est ça. J'ai envie de faire un suivi. Non, et c'est pour toi. Je pense pas, hein. Je pense que c'est juste si c'était ce ninja, tu l'as, frère. Je me suis dit que je vais laisser une chance à Suna aujourd'hui, l'ont brisé. Faire un suivi, voilà, je fais pas. Alors, je vais rejoindre mes ravisseurs et. Je pense qu'ils l'ont brisé pour beaucoup d'entre eux. Bien. Non, rien, vous entendriez bien avec Maître Mazzaro Chihuahua. Ok. Comprends. T'as bien m'a parlé. Nekiru, essaye de me faire trans. Oh. Je pense que vous entendriez bien avec Sanemi Satsu juste ici. Ah oui. Il a l'impression que son plan est la risée de leur village. On est décidé de les armes. Non, c'est pas. Maître Mazzaro, j'aimerais que vous veniez avec moi. Décider de la suite de ce jeune homme. Maître Kumo, par de ses convictions. Moi, contre moi, ils serviront à mes. Bien, je viens avec vous. Montez sur mon dos, on va y aller par les airs. On doit aller où? Vas-y, descendez, montez sur le dos de Mazzaro. Ouais, dans le palais, j'arrive. Je vous rejoins au palais. Dans le palais? Ouais, dans le palais. Dites-moi. Ici, on en avait parlé déjà. Mon admin t'a répondu. Non, c'est Aizé. Il peut pas me la donner. Tu dures moins longtemps l'oiseau ou c'est moi je suis fou? Oh. Désolé. J'ai failli mourir. Pas de soucis. Il y a eu un de ces bugs. Il dure moins longtemps l'oiseau? Ok. Mato Kami peut te le give, bah j'ai envoyé dans le truc de toute façon. Saka, tu vas bien? Pourquoi t'es blessé? Sur playlist. Je me bats contre un petit con qui a tous les Iden du monde Shinobi à tenter. Eh, t'es où? T'inquiète. Ta première fois dans le village? T'inquiète. En danger. Non, moi j'aime me battre, moi aussi j'aime me battre. Descends de mon dos. Mais donc tu es du clan Satsu, c'est bien ça? Présente-toi à moi. Sanemi Satsu, fils de Kuroki Satsu, commandant Jonin de Suna. Bien. On va mettre ça. Bien. On fasse vite, Mazzaro, on a rendez-vous à 2h15. Bien sûr, allons-y. Ouais. Non, c'est le fils. Ton père est commandant Jodin. Pourquoi est-ce que tu quittes ton village? Parce que mon village a tourné le dos maintenant. Pour pas qu'à moi, mon clan, ma famille. Aujourd'hui, c'est la goutte de trop. Quel est ton avis sur Soya Satsu? Eh bien, lui aussi a déserté au vu du traitement que subissait mon clan. Je le comprends aujourd'hui. Agenouille-toi devant Mazzaro et devant moi-même. Je discute 30 secondes avec Mazzaro, lui faisant part de la vie de Maître Nobu. Et derrière, je te laisserai t'exprimer. Très bien. Venez, Mazzaro. Alors, concernant ce ninja, on a trois choix qui s'offrent à nous. Soit on le tue, on récupère ses pupilles. Du moins, on récupère ses pupilles, on le tue. On les implante à un ninja d'Amé. Soit on le garde, on le met sous pack de sang et il sert Amé.
Soit on le lève CPP, il reste au sein d'armée. Maître Nobu m'a dit qu'il voulait le garder tel quel et offrir une arme contre Suna. Et mettre ce pack 200 bien sûr. J'ai besoin de connaître sa haine. À quel point elle est forte. C'est un gaining confirmé, non? Je ne sais pas du tout. Bien, on va parler avec lui directement. Pas de soucis. Eh bien, Sanemi, quel grade es-tu? Tokubetsu Jonin. Tokubetsu, cela fait donc des années que tu sers l'armée de Tsunagakure. À vrai dire, je suis assez jeune, pardon, j'ai 19 ans. Bien. Et quelles sont les raisons? Tu m'as dit que le village avait manqué de respect à ton clan. Qu'est-ce qui a été fait exactement envers ton clan? Eh bien, mon clan, depuis que Soya a déserté, est assez vu comme des malfrats, comme si on était tous de la graine de traîtres. J'ai déjà discuté avec Tantan qui sert Soya. Il m'a proposé plusieurs fois de les rejoindre. J'ai toujours dit non. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends? Apparemment, les forces spéciales étaient sûrement d'eau. Apparemment, j'étais soupçonné de traîtrise, chose que j'ai toujours réfutée. Il a même dit mot pour mot. Après tout, le petit Sanemi, on n'en a que faire. Il est accusé de traîtrise. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Eh bien, faites donc. J'offrirai mes pupilles à amis, que ce soit dans mon crâne ou dans quelqu'un d'autre. Tant qu'ils serviront à détruire Osuna et leur haut commandant qui dirige ce village comme des pitres. Bien évidemment, nous allons détruire Tsunagakure, cela n'est pas un problème, ce village est faible. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu nous rejoins, et si tu gardes la tête sur les épaules avec tes deux pupilles à l'intérieur de tes orifices, je veux que tu voues une haine inégalée et inégalable envers Konoha aussi. Ce qui veut dire que tu vas devoir te battre contre Soya Satsu, que tu vas devoir te battre contre Tantan. Et... dire, vous savez, Maître Mazaru, j'ai entendu dire que l'objectif de Soya était de reformer le clan Satsu à Konoha. C'est autant un malade mental que tous les autres, donc évidemment que je compte prendre sa tête à lui aussi. Pour l'instant, je ne sais pas si ce que tu dis est vrai. Tu n'essayes pas juste de t'infiltrer ici dans le village. Tes raisons sont correctes. À vrai dire, j'ai quitté le village pour une histoire similaire. Donc je peux te croire là-dessus et te donner ta chance. À quel point es-tu cruel, dis-moi? Cruel? Tu n'as pas besoin de me mentir. Eh bien, l'autre jour, je ne vais pas vous mentir, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée quelques jours. Un ami d'enfance, un jeune... Taijutsuman du nom d'Ato Raiden. C'était un peu un clown, il me considérait comme son rival. Je lui disais mot pour mot d'arrêter ses conneries ou il le regrettera un jour. On a grandi, je suis devenu Tokubetsu, lui Kakunin. Il m'a défié à mort. J'ai évidemment accepté et je l'ai épargné. Cet idiot est parti crier sur tous les toits qu'il voulait prendre sa revanche et m'arracher mes pupilles. C'est arrivé aux oreilles du chef de clan et m'a assuré que si j'amenais pas sa tête, je serais renié du clan Satsu. Alors, je lui ai proposé de mettre ses menaces à exécution, mais envers sa propre personne. Je lui ai crevé ses deux yeux et désormais, il est l'esclave du clan. Voilà à quel point je suis prêt à aller pour laver l'honneur qui m'est propre. Très bien. Je vais délibérer. Très bien. Qu'en pensez-vous, Mazaro? J'aime bien. Il a du potentiel. Encore faut-il Sanemi voir son Satsu. Niveau au combat. Mais les pupilles... Je veux qu'il reste sur son porteur originel. Je vais choisir la deuxième option. C'est-à-dire de le garder à Amegakure. Avec ses pupilles. Sur ses yeux. Cependant, ouais. Il y a une chose. Ce pack de sang. Oui, le pack, tu vous laisses vous en occuper. Il rejoindra la garde écarlate. Oh, ça y a aucun souci. Vous en faites ce que vous voulez, Mazaro. Il a une histoire un peu similaire à la mienne. Donc j'ai envie de le prendre un peu sous mon aile.
J'attendrai de voir ce qu'il vaut au combat. Il y a des camps, on l'améliorera même s'il est pas bon. Bien sûr. Il ne sait pas se battre, il apprendra à se battre. Nous avons tout le temps pour. Bien, dans ce cas, parfait. Nous nous rejoignons avec Maître Nobu sur la décision finale dans ce cas. Après, je vais appeler Ryugan pour... Parfait, j'appelle Ryugan moi pour le saut de... Le pack de sang, pardon. Sanemi Satsu. Dorénavant, tu vas effacer le nom Satsu de ton nom de famille. Tu seras toujours un Satsu. Mais avant tout, tu seras un ninja d'Amegakure. Et qui plus est, tu rejoindras la garde écarlate. Je ne peux pas te tester maintenant, mais mes ninjas te testeront au combat. J'ai besoin de savoir à quel point tu es un bon combattant, ou bien à quel point tu as besoin d'entraînement. Très bien. N'aie crainte. Avec la garde, on vengera tous les ninjas que tu dois tuer. Et ensuite, tu seras heureux ici. Combien de ninjas as-tu à tuer ? Lorsque j'ai quitté Konoha, j'en avais beaucoup sur la liste. Nombre d'entre eux sont morts, mais il en reste encore. Maître Mazaru, vous voyez le flot qui s'écoule derrière vous, le nombre de gouttes qu'il comporte ? Le flot ? Eh bien, c'est ce nombre précis que je souhaite tuer. Tous les ninjas qui ont causé la perte de mon honneur. Tous les ninjas qui ont sali mon clan. Tous les hauts gradés qui ont considéré ma vie comme un simple ninja. Je vais leur montrer qu'ils ont fait le mauvais choix. Je vais faire d'eux mes choses. Très bien. Dans Sakatou, viens, on fait un deux contre Monsieur Aiden. Nous devons y aller. Sanemi, je vais informer la garde de ta venue. Ils y viendront à ta rencontre. Très bien. En attendant, fais-toi accepter dans le village. Lorsque tu viens d'arriver, c'est difficile à Amegakure. Mais c'est pas ça qui va te faire peur, j'imagine. Effectivement. Bien. Je vais commencer à me rendre au secteur 3. Pour voir s'il n'y a pas de piège ni quoi que ce soit qui est préparé contre Merci nous. Merci, Mataro. Bien, Sanemi. T'as eu la pression du coup pas encore. En fait, à Amé, je crois, il n'y a pas énormément de super admins qui sont co. Présente-le à un mec de la garde. Pas deux secondes. Nosaka ou bien. Aiolia. Moi, je peux pas, je peux pas. Oui. Il y a. Dites-moi. Non, c'est pas pour tout de suite. Actuellement au palais, il y a le jeune Sanemi Satsu. Nous avons décidé de le garder à Amegakure avec les pupilles sur ses propres yeux. Et j'ai décidé personnellement de l'accueillir dans la garde écarlate. Testez-le et voyez ce qu'il vaut au combat. Très bien, maître. Moi, je dois me rendre au secteur 3. Il y a une réunion avec les Kage. Je sais pas, il y a combien de Je fais un combat, j'arrive. Il y a Roro. Il y a Yami, j'ai vu. Et comment ça, il y a Roro, frère? Il est où Roro, wesh? Zino, Renzo de la Salamande, vous le voyez? Ah ouais, il est là. C'est trop grave, les gens. Il est yomb, lui. Demande le sub Genjutsu, ouais, bah c'est bon, c'est exactement ce que j'ai demandé, frère. Respect, maître. Ah, mais bats-toi, t'es en combat. Combat.
Oh là, c'est un ouf. J'avais bien su faire pareil, frère. Excusez-moi. Attends, mon frère. Ouais, ouais, ouais. Un respect. Dites-moi, je voulais savoir. Je suis nouveau, je suis rien confirmé. Ça veut dire que je me renseigne sur. Mets-toi à genoux déjà. Sur le pilier de. Les règles du village. T'adresses face à un commandant Jonin. Non, non, du tout, du tout. Ah, excusez-moi. Bien, ouais, mes respects alors. Ah, j'aurais dû le mettre à genoux moi-même. Très bien, relève-toi, relève-toi. Et une victoire facile pour Ayoya le médecin de poche. Très bien, mais à genoux, toi. Oh. Ça va. Tiens. Pour les médecins. Eh bien, qu'est-ce que tu veux découvrir? Ne t'en fais pas. Je ne vais pas vous faire atteinte à ta vie. Je voulais juste me renseigner pour les piliers, pour savoir qui étaient les piliers de Amé. Et aussi, je voulais savoir. Je sais que je suis gain confirmé, mais bon, j'aime bien me battre contre plus fort que moi. Je voulais savoir si. Il y a bon nombre de ninjas que tu devrais affronter avant de passer par moi. Un combat contre moi durerait même pas une seconde. Je sais, mais j'ai affronté beaucoup de ninjas. Très bien, relève-toi alors. Mais je dois y aller, je pourrais pas t'expliquer pour les piliers, mais je peux te donner ton combat. Bon, on va le one shot. Façon Wuju. Je sais pas pourquoi je mets la nuit ardente, frère. Vous ressemblez tous. Aïe, tu t'es fait avoir pour le coiffeur. En fait, maintenant j'ai tellement de jutsu, frère, faut que je m'habitue au changement. Ok. Avoir. Oh. Qu'est-ce qu'on attend? Ah pardon, est-ce que... Ouais, pardon, j'ai un problème là, j'arrive pas à... Enfin, appliquer mon cinquième jutsu. Tu veux faire un combat? C'est bizarre, bon, c'est pas grave, je vais faire ça. Attends, me dis pas tes kenjutsu, parce que j'ai pas envie de courir vers tout le village aussi pour t'attraper, tu vois. Oh là, frère, il me parle du cinquième jutsu comme si... Allez, dodo. C'est grave, frère. C'est grave. Je crois que vous vous rendez pas compte qui voulait affronter vous. Ah. C'est grave, qui me dit. Ah, combien? Les gars. J'ai affronté beaucoup de ninjas, je sais pas quoi, mais va dormir, t'as vu, une patate, c'est dans l'eau, frère. Il nous fait le grossiste ici, frère. Jure, ils ont mis un pont ici, incroyable, les mappeurs. Je sais que c'est secteur 3, je vais juste m'éloigner là où il y a personne. Ouais, je dis, le nouveau système de musique, il est exceptionnel, en fait. Au début, il faisait laguer, mais maintenant qu'il est fixe, il est exceptionnel. En fait, c'est comme si je m'envoyais une playlist, frère. Mais les autres entendent la musique, ça dépend là où je la mets, frère. Essaye la pression, j'ai essayé là, je l'ai faite là. C'est juste qu'en fait, quand toi tu l'as fait ou que tu la tank, je sais pas si tu connais, mais quoi. Ah ouais, c'est vrai. Mais je connais pas les catégories en fait. Je préfère faire avec les clics en vrai. Une heure du mat, c'est la meilleure pour Teko. Ouais, je te jure, une heure du mat, il y a tout le temps. T'as vu comment les pipisatsu, c'est fort au niveau vision? Non, j'ai pas vu. C'est un Wolak, ah ouais?
C'est vrai que Zongo il a des pupilles Satsu, faut que j'aille regarder son stream. Du coup, c'est une recrue de fou pour la garde écarlate. Moi, je trouvais juste qu'il y ait son RP et qu'on l'aimait avec la garde. Et vas-y, frère, quand t'arrives dans un nouveau village, si t'as pas un groupe, un truc qui t'accueille, c'est bizarre en vrai, niveau RP, tu vois. Je dois vraiment forcer pour t'intégrer. T'as vu parler à Oka d'ailleurs. Ouais, mais après, bon. Frère, je suis rentré en corbeau, ça a mis 500 alertes. Mazaru est dans le village. Alors que voilà, je suis rentré en corbeau. C'est comme s'il y avait un corbeau qui volait, frère. Eh, le village, il était en panique, mec. Merde. En vrai, ça, je le mets pas là, frère. Je vais l'enlever d'ici. Mais pourquoi je peux l'enlever, wesh? Zebi. Néon, on va mettre les pupilles ici, on va mettre ça ici, on va mettre... En vrai, le Kenjutsu, je vais le garder en 1 et la tempête, je vais la mettre ici, ça va être en 2. En vrai, je vais le mettre sur le même truc, en fait, ouais. Le Gojin rentre H24 dans Konoha. Ouais. Après là j'ai mis un... En fait je me suis baisé parce que j'ai mis un grand NA, un corbeau rentre dans le village sans masque. Mais après je l'ai fait exprès pour que ça foute la merde. L'étreinte, faut que je fasse un entraînement après, normalement je viens te la voir. Toi aussi, bah après slash NA, ça veut pas dire que c'est moi frère. Oui on a vu. Ah je sais, je sais. Mais RP parlant ça n'engage à rien frère. Camouille, j'attends, j'attends. On devait me faire une scène, mais j'attends encore. Je vais pas forcer. Dès qu'ils auront le temps, dès qu'ils auront le temps. Ça va faire quoi à Konoha? Je voulais voir le petit Uchiwa. Le petit Uchiwa pour lui apprendre le Genjutsu. Puis en même temps, ça me faisait du RP, c'était marrant. Ouais, il y a toute l'armée ou quoi, frère? Dans 2 secondes, ça va enlever la musique. Ça met quoi, les gars? Inavine, elle s'appelait Ototsuki ou je sais pas quoi. Elle était exceptionnelle, frère. C'est quoi, Okami Item? Ah, je l'ai pas, frère. Spider. Village d'Oa de Otto Kuza recueilli ici. Mais c'est ici même la réunion? Personne, il y a son père d'important, frère. C'est lui. Ah, viens, 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 viens. Venez, on fait une réunion familiale et on va le toquer à la mort. C'est congé, lui, ou quoi, frère? C'est ça. C'est moi. Mais respect, Ah ça, ouais, c'est. c'est quoi cette histoire? T'allais où? Mais On nous a respect, mais appelé, respect. je. Ça va, Mais ça va. respect. Respect, respect. Respect. Il est là, Babinski. Ah, il est, ouais, il est là, là, il est là. Babinski. Il est là-bas. Il est tout au fond, il est dans son monde. Ah, il est là-bas. Il est dans son monde. Là, il faut laisser tranquille. Il a il fumé trop d'herbe de à la tout à l'heure. Nature. Respect. Respect. Midi sur notre job. Les gars, je vais me péter Et cette puis... tenue, la tenue de Junketsu. Non, mais attendez, ils ont des masques. Chef de clan, non. Ah non, ouais, c'est une. Je ne pourrai pas rentrer, mais attends-le ici. Eh bien, eh bien. Mets-toi un petit peu sur le côté. Mes respects, mes respects. Bien, mais dommage. Oh, disons. Ah, des ninjas, ils vont grave pas rentrer, hein. Linda, il venait. Bonjour, ma zouzou. Comment allez-vous? Salutations, salutations, ça va et vous? Kudo. Tu Comment vas se porte bien? la forêt? Pour le mieux. Comment se portent les villageois d'Oto?
pour le mieux, pour le mieux. Pour le mieux, même s'ils ont été encore attaqués ce mois-ci. Vous n'êtes pas surchargé de travail en ce moment ? Ouais, si. Un petit peu quand même. Si. On ne serait pas surchargé, on ne déciderait pas non, c'est pas la bonne cause. De rassembler toutes les nations. Bien sûr, bien sûr. Et en tout cas, Amegakure sera présent, la Mekage arrive, et je suis déjà là. Ah. J'espère qu'il choisira les personnes qu'il souhaite... Le Tsuchikage arrive aussi dans très peu de temps. Il est en chemin. À combien de personnes avons-nous le droit au Tsuchikage par village? Il est vrai que nous n'avons pas discuté à ça, mais... Je pense que 3... 3 est le nombre correct à mon humble avis. Enfin, très qu'il n'y ait pas de débordement et que tout peut se dérouler dans le meilleur des mondes. Faites passer le mot à chaque nation que vous représentez d'ailleurs. Enfin, 5, ça serait mieux, non ? Respect, mon oncle. Vous rendez compte quand même, on rassemble toutes les nations ici. Ah, c'est ça, là, les gars. L'ennemi commun actuel. Vous n'avez pas l'air d'être au courant. Il faudrait peut-être que certains shinobi restent à protéger la frontière et à pouvoir donner les informations si elles doivent être données. Mais un coup pour la. Que 5, ça serait le chiffre parfait. Pour la poire en deux, on va faire 4 ninjas. Imaginez que cet ennemi commun. 4 ninjas par village, c'est bon. Ça me semble raisonnable. Eh bien, lançons un dé. J'aime bien le dé. Très bien alors. Ah, mais le dé. Je me bats pour 4 ninjas. Jeu d'hasard. Hein. Dojuro se bat pour 5 et vous vous battez pour 3. On va voir qui gagne. Bien. Voilà. Je me bats pour 6. Moi 9. Eh bien, j'ai gagné. Eh bien, Matsaru a gagné. Ça sera 4 ninjas par village. Mes félicitations. Ça sera 4 ninjas. Mes félicitations. Ah, roule, bon, là, ah, vous avez pas eu beaucoup de chance, hein. Bien, allons annoncer aux nations. Oui. Fukuro, il vient d'être convenu, Kachin. Enfin, bien le bonjour à vous, Sarutobi, comment allez-vous? Mes respects, l'usurpateur, comment vas-tu? Oh non, s'il vous plaît, pas l'usurpateur. Comment allez-vous? Ah, je rigole. On va dire Babi plutôt, le fan. Pouvez-vous ouvrir s'il vous plaît votre instrument? Ah, si. Peut-être, merci. Le grand maître. Choisissez qui vient entre vous deux. Nous avons le même art, nous partageons, c'est un honneur. Babinski, c'est une dinguerie que son blaze soit passé, frère. Je préfère m'appeler Babinski que d'avoir le mot Kuton. Je crois qu'il y avait des tenues ici, frère. Les gens lui servent. Les gars, c'est une dinguerie, juste son blaze, il est marrant. Babinski. Ça ferait plaisir à tous les ninjas. En vrai, on n'est pas beaucoup. Eh bien, c'est parfait, nous sommes 4. C'est vrai qu'on est peu, hein. Ah non. Ah, je vois. Ok. C'est du coup, nous avons maître Mazaru. Nous avons 4 places. Nous avons 4 places. Ouais. Ouais, pas de soucis. Il y a. Je l'ai compris. Il y a Nobu de la salamandre, la Mekage qui arrive. Et sûrement 2 autres personnes avec lui. Donc, nous serons 4. C'est 4 en c'est tout par village. Exactement. Mais c'est bien que vous soyez là, vous. Ouais. Vous surveillerez les horizons. J'ai pas envie de laisser derrière, mais j'ai pas envie de faire un choix non plus. En fait. Maître Mazaru, il faudrait aussi également que parmi vous, il y ait un scribe afin qu'il puisse du coup noter les noter du coup la réunion afin de le faire partager du coup à tous vos concitoyens d'Amé. Dans tous les cas, je viens tout seul, donc j'irai ça à la Mekage. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait quelques relais de communication. C'est une bonne idée, Nous, comptez pas sur moi pour écrire quoi que ce soit, d'ailleurs. Ah, pas de soucis. En tout cas, votre stature, comment votre stature, comment dire, sera vraiment un grand apport lors de ce conseil. J'aimerais juste connaître votre nom. Bien sûr. Ah. Non. Slaoli. Ah, ou Kaguya. Ah, c'est en bégayant et tout, c'était parfait, c'est le coup, nous allons attendre les derniers arrivants, et vu que je suis votre hôte, bah du coup je vous amènerai à votre place. Ça, votre très bien, très bien. Du coup également Maître Amekage. J'attends Maître Amekage alors. Ah merde, je crois que c'était un ninja damé. Relevez-vous d'ailleurs, ninja. Parfait.
Sinon, comment ça se passe à Amé? Très très bien. Regardez, vous pouvez le voir à la peau de mes ninjas. Ravi de l'entendre. Qu'est-ce qui se passe à Mega Kouri et Radu? Je vais faire une annonce, je vais hurler bien fort. Quelle belle journée. Nous avons capturé 25 ninjas de Tsuna aujourd'hui. Dis pas ça en criant, s'il te plaît, ça... Ah, j'ai crié. Je cherche pas la bagarre. Ouais, non, il a pas fait exprès. Non, je... un peu trop d'excitation. Non, je parlais normalement. Hein. Maître Nobu. C'est vrai que... Oui, dis-moi. D'ailleurs, je vais vous parler. Ça fait une longue négociation, maître. Respect, maître. Tu vas rentrer, toi. Respect, maître Okage. Mettez-vous à genoux devant l'Okage. Aïe. La Mekage, pardon. Ah, ça m'a relevé. Relevez-vous. Je te régale, c'est le spell. Autant pour moi, alors. Du skissel. Ah, ce qu'il signifie. Très beau bâton, en tout cas. Nous avons le droit voilà, on a à uniquement 4 places. Comme nous avons. Je disais, nous avons le droit à uniquement 4 places à l'intérieur. Nous avons conseillé de prendre un scribe pour écrire tout ce qui s'est passé. Oui. Jadame. C'est une bonne idée, Mazao. Bonne idée. Eh bien, je vais voir parmi nos effectifs qui est prêt à écrire tout ça. Parfait. Ben, moi, c'est à toi. Bien, qui. T'as dit quoi? Dans votre coupe. Merci. Bien. Ah, laissez-moi partir. Qui ici sait bien écrire? Chico, occupe-toi. Moi, je sais bien écrire. Nous avons besoin d'un scribe à l'intérieur. Lui, t'inquiète pas, je t'aurais dit. Tu viendras avec nous. Eh ben, je suis là, je suis partant. Parfait. C'est le meilleur. Tu nous suivras quand on rentrera à l'intérieur. En attendant, reste avec eux. Très bien, j'attendais que ça. Aiolia, rappelle les membres de la garde et... Assurez-nous que les alentours soient sécurisés pour notre sortie. Je vais te dire que ça comme ça. Bonne soirée. Oui, c'est moi. Je te laisse t'en charger. Oui. À la modif de taré. C'est bon, j'ai trouvé le scribe. Donc... Donc qui combien ninja de... Combien ninja peuvent rentrer, Mazao? 4. C'est ça? Moi, donc, Maître Nobu, vous. Kage, le scribe qui est là-bas qui nous attend, et une place pour vous. Qui veut y aller? En vrai, moi je m'en fous, je leur dis que voilà. En tous les cas, tout sera écrit par le scribe, justement, vous ne ratez rien. Vous allez nous faire un débrief. Vous pouvez rentrer à 4 dans cette chambre. Vous allez nous faire un débrief. Juste d'être au courant que vous êtes bien là. Tu veux aller à Roux ou tu veux que j'aille? Non, on va laisser à Roux. Du coup, je présume que Maître Amekage et Maître Mazaru seront présents. Nous avons notre scribe aussi. Ok, parfait. Bien, allons-y. Parfait. C'est ouvert maintenant? Je vais avec vous, Mataru et Maître Mazaru et Maître Nobu. Mato, tu veux aller, Mato? C'est bien, Mon. C'est quoi ça? Ouais, c'est vrai. Ok, bah du coup, venez avec moi. On va laisser du coup ceux de Konoha du coup prendre un peu d'avance et après je vous ramènerai du coup à votre place. Vous avez peur qu'on se batte sur le chemin, vous en faites pas, nous sommes civilisés. Non, loin de là. Je pense que vous avez la classe nécessaire pour pouvoir. En plus, vous savez que je respecte cette forêt. Conscience. Maître Nobu, prenez un roue avec vous. Je vais installer l'extérieur de la forêt. Ok, pour Amé, du coup, nous pouvons aller, suivez-moi. T'as pas mis du caca sinon. Oh la barrière, s'il vous plaît. Mais j'ai pas Migi, attends. Lamel, t'es là, mon sang, je suis là, Migi. Ouais, est parti, Migi. Ah, Maître Nobu, excusez-moi. Je suis là, je suis en place. Je prends 30 secondes de votre temps. C'est rentré à 5, Kono, quoi. C'est rentré à 5, je vais foutre grave le bordel en mode comment ça se fait, c'est impossible, c'est inadmissible qu'il soit 5. Ah, nous devons aller là-bas. Petit chapeau, vas-y. Vraiment, tu veux le faire au max. Tu veux le retransmettre à quelqu'un ou pas en attendant? Oh, y'a des épées de la brume. De rester devant, sait-on jamais à ce qui va se passer. Je peux niquer une run de fou de Chiki.
Arrière des zones ouvertes. Il me semble on est vengé. Comment tu peux niquer sa run, frère? Oh, t'as lancé un PC et il écho sur Steam. Ah, mais fallait pas spoil, frère. Vous attendez du coup qu'ils finissent leur petite discussion. Je pourrais du coup vous emmener à votre place. Mais non, mais dis rien, ma gueule. Eh bien, Konoha ne sont pas présents. Ils sont déjà rentrés, Konoha, il me semble. On peut aller? Et ils sont déjà entrés, Konoha. Enfin, le mois prochain, réunion de. Allez-y, très bien, du coup, Amé, vous pouvez entrer. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis le scripteur, maître Amekagame. Tu as choisi le pire, Mazzaro. Je sais pas, c'est le... Non, c'est mentir. Bah, du coup, tu vas rentrer, nous allons nous rendre à votre place. J'ai pas le droit d'entrer. C'est 4 maximum, et il y a déjà les 4 qui... Nous allons un peu nous hâter parce que c'est plutôt long. C'est dehors et surveillé. Même Akiko n'est pas y aller, donc. Moins 10 000 aura. Bug speed, ouais, y a un bug speed. Le respect de la forêt, bah c'est le seul moyen d'enlever l'oiseau, frère. Bah, c'est les couilles pour rien, on dirait ça ferait à ta mère. Donc là, ça appelle tout le monde ninja pour faire entrer 4 personnes. À la base, merde. Non, mais c'est pas aussi surtout que à la base, des personnes qui... À la base, ils voulaient qu'il n'y en ait que 3. Ah ouais. Ok. C'est normal, bonne chance, maître Mazzaro. Ah, vous en faites pas. Une attaque de derrière. Restez aux alentours et faites en sorte que personne nous attaque. Si jamais quelqu'un nous attaque, nous les raducrons. Vous voyez, maître Amekage, nous ne sommes pas respectés dans cette forêt. Nous avons autorisé seulement 4 personnes de notre village, tandis qu'il y a 5 personnes du village de Konoha. Il bénéficie également d'un scribe afin de transmettre les informations. Bien sûr. Enfin, sois pas jaloux. Ah, tu me connais, Sarutobi, je suis très jaloux. Je déteste les injustices. Mais de toute façon, désolé pour cette injustice. Ils ne valent pas pour 5, Mazzaro, tu sais très bien. Ah, en effet. Nous ne sommes pas ici pour nous insulter, il me semble. Non, bien sûr, c'est simplement des petites blagues. Pour détendre l'atmosphère même, je dirais. Très bien. N'êtes-vous pas d'humeur plaisantine? Pas dans les médias. Enfin bref. Bon, on attend qui donc? Joy Boy. Iwa. Le village d'Iwa. Oui, il fait très bien, pardon, désolé. Problème. Ah, pas grave, pas. Attendez, je vais aller vérifier comment ça. Il y a aucun Kage. Mais en fait, c'est pas un truc préparé par les MJ. Ça s'est fait en full RP, les gars. Bah, il y a la Mekage, le truc Kage. Il n'a pas pris la peine de venir. Il est commandant. Peut-être ils ne prennent pas cette menace au sérieux. Je ne sais pas s'ils ont déjà attaqué le pays du vent. Dites-moi, Ninja Tsuna, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Est-ce que votre pays a déjà été attaqué par les réincarnés ou pas encore? C'est plus nous qui les avons attaqués, mais pas passer chez nous.
n'ont pas encore semé le chaos. C'est pour ça que votre haut commandement n'a pas pris cette réunion au sérieux, j'imagine. Oh, nous sommes ici deux présents du haut commandement. Non, je parlais du Kage et des commandants. Bien, ils ne prennent pas la chose au sérieux, entre autres. Était vraiment fatigué et il se fait un peu tard. Il était fatigué. Eh ben. Intéressant. Ouais, donc ça va être ici. Ça fait rire. Faire un mec Kage. Bien sûr que oui. En tant que Kage, on ne peut pas se permettre de dormir paisiblement. Je vois. C'est la honte pour mon village là. Frère, c'est une dinguerie. Après, s'ils étaient pas là IRL, bah c'est dur de. Oui. C'est dur de les faire venir. Je vois qu'il n'y a pas de représentant de Kumo. Bien, mais il n'y a aucun souci, c'est pour ça que j'avais prévenu. Simplement le haut commandement, il n'y a que l'une à côté de moi. Vous vous retrouvez un peu nombreux. Ça fait beaucoup de ninjas à côté Konoha là. Vos gardiens ont insisté pour inviter Renji, ami de la forêt. Mais les 4 personnes se sont transformées en 6 désormais, ben. Vous ne manquez pas de toupet, Konoha. Enfin, du moins, on est habitué maintenant. Qui arrive ? C'est ma faute, veuillez m'excuser. Reste là, reste Renji, viens. Attendez. Ah, vous souhaitez qu'on aille chercher 2 shinobi supplémentaires pour chaque village ? On est tous sur un terrain neutre, on peut convenir, de bonne entente. Si vous souhaitez, on peut faire entrer 2 shinobi de plus. Chaque village, j'ai pas de soucis là-dessus, ne vous en faites pas. Non, nous notifions simplement. À vous dire si vous souhaitez. Et abuse du règlement comme d'habitude. Simple. Petite taquinerie. Après, voyez-vous, de base, on nous avait dit que le maître Kage ne serait pas là. Daikiru, demande-leur à rentrer. Kyo. Avec Kage. Et respect. Dites à vos gardiens d'ouvrir la porte. Il y a un ninja Dame qui veut nous rejoindre. Bien évidemment. Ça ferait 4 plus le scribe. Pouvez-vous me dire son identité? Pouvez-vous. Daikiru Kaguya. Son identité comme ça, je vais le chercher. Très bien. Nosaka, je sais pas si j'ai déjà. Avant que je quitte Ame, il m'a dit je peux pas là. Il fallait peut-être nous prévenir un peu avant. Bon, j'ai un œil de sable. Mazaru, je te parle tout bas là. Je pense que si. Maître Mazaru, le garde à l'entrée ne veut pas me laisser entrer. Tu peux nous fuir. Vous en faites pas, j'ai. T'inquiète, il va te laisser rentrer. Est-ce que tu peux répéter, Nobu ? Tout retranscrire. J'ai dit, on les attaquait tous. Mais si tu pourrais, pour voir s'il y a les réincarnés dans le coin. Aspect. Absolument personne. Quelqu'un peut demander de me laisser. Aïe, qui a tapé mon temple. C'est frustrant. Ouais, je sais, mais c'est 4 maximum normalement. Que je hurricane par-dessus la barrière et que je passe par moi-même.
Voilà, regardez Suna, frère. Emma, lui, déjà, on dirait un clown. Il me semble que l'apparition de Limas... est une lui, vas-y, au commandement, mais bon... Je parlerai pas à l'intérieur du cercle pour qu'il m'entende bien. Et lui, ça se voit, c'est un conseiller, frère. Non, force aux habitants de Suna, les gars. Vous êtes mal représentés, frère. Emma, Konoha, c'est carré, Okage... Ouais, Jonin... Mec de la paperasse... Samin, Limas et tout, t'as vu, ils sont vraiment dans le flow max. C'est assez plaisant à voir. Iwa, c'est carré, sous chapeau, sous faux. Bon bah, je suis rentré, hein. Eux, je crois que c'est les samouraïs ou je sais pas quoi, c'est bien. Ah mais on est terrifiant. Malheureusement, mon jumeau, il y a un petit problème de tête. Attends, il a mis une Limas, moi aussi, je vais abuser du flow, frère. Il la ramène, le dernier ninja Tsuna, et puis... Nous allons bientôt pouvoir commencer. Est-ce que tout le monde m'entend bien autour des tables? Affirmatif. Un petit corbeau, frère. Oui, on évidemment. Entend, on faiblement, mais oui. Crier pour que... Mais en trois. C'est vrai que tout seul, il est bizarre. J'ai peur que si je mette trop de souhaits... Je suis désolé. Prends la place au centre du cercle. Oh là là, mais... Bah tant pis pour le garde. Mais non, il l'a tué. Comment mais tu non. fais pour rentrer? Eh non, frère, abuse. Il a refusé d'écouter un ordre. Voilà. Comment tu fais pour rentrer? Je me pose la même question. Oh là. Plus petit encore. Ouais. Moi, c'était calme. Moi, c'était calme. Très belle coupe en tout cas, Haru. Merci. Très bon fait d'armes, Nsaka. Non, c'est pour ça, je sais ce que je fais. Je suis comme conseiller, t'inquiète. Merde, j'ai mis un S. Si ça a déjà commencé, faire ça après. C'est énorme. Après, pendant que vous faites ça, t'inquiète. J'ai un secteur 5 à rien vu. C'est quoi le X? Bien joué, Haru. Zéro aura. Bientôt la fin de ça. Des larmes m'en tombent. L'un de ces corbeaux. Ouais, du LED, Aikiro. C'est pas corbeau X? Non? C'est ça, l'original. Si, merde. Désolé, j'ai confondu la règle. Ah merde, arrête de te mettre en bas, frère, il me rend fou, lui. Parfait, chef, magnifique. Trois petits corbeaux. Ah oui. Ah, moi j'adore les corbeaux. Je sais pas si vous en pensez. Il y en a beaucoup dans cette forêt, j'en ai laissé la dernière fois que Otto a été attaqué. Après tout. Il devait me prévenir s'il est réincarné, les attaquer. Les larmes m'en tombent, Matsaru. La dramaturgie va commencer. Bien. Nous sommes rassemblés ici, et je pense que tout le monde le sait. Nous sommes actuellement dans un endroit neutre, et je tiens à présenter mes respects à toutes les personnes qui viennent à cette assemblée. Je vous remercie de vous prêter au jeu et d'être venu en nombre. Ça me fait des cœurs. Nous allons... pouvoir commencer et vous introduire pourquoi la forêt interdite ainsi que Kusa vous a tous rassemblés ici. Et il fait chaud des ténèbres, frère. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Azura Kaguya joue les troubles faites. Depuis... Les troubles faites. Faire un an, il me semble. Si t'as vu le NA du staff, ouais. Ah, je crois que nous avons une visite. Excusez-moi pour l'ensemble, pour le retard. Oh, le Kazekage. C'est enfin réveillé. Nous allons simplement demander à toute l'assemblée de rester sur un terrain neutre ici. De quoi, GMK, ouais. J'aimerais avant tout éviter que les esprits s'échauffent et que tout ceci ne dérape. Vous êtes avant tout ici pour parler, à mon humble avis, de ce que nous pourrons appeler désormais un ennemi commun. Un ennemi qui menace actuellement...
Le monde Shinobi et vos villages. Attaques répétées sur vos villageois, sur vos villes. Et je pense qu'il est temps... pour vous, chers dirigeants... de pouvoir parler en toute neutralité sur ce qui arrive. Wesh, il écrit trop vite, frère. Alors, nous demanderons simplement un fonctionnement simple pour ne pas être dénué de sens. Effectuez des prises de parole et placez-vous au centre du cercle afin de pouvoir exprimer vos idées et vos ambitions. Pourquoi c'est des neuils qui font la réunion, si vous frère souhaitez, et ce que nous vous proposons, c'est qu'à la fin, nous souhaiterions que toutes les nations forment une coalition, une seule et même force de frappe, pour protéger vos villages. Pour protéger vos villageois et vos shinobi. Si tout cela... Y'a du quoi, Kafar ? Je pense pouvoir vous laisser commencer à discuter. Toguro, tu souhaites parler avant tout ceci ? Fais un bref topo. Effectivement. Matsaru et Maître Nobu. C'est ma petite salamandre. Vous en voulez, Maître Nobu ? Konoha et Ame se sont alliés pour combattre Azura et ses pions. Mais Suna, n'a pas intervenu. Ont déjà trouvé refuge au sein de Konoha nous ont rejoint quand on les a fait battre en retraite. Non militaire. Attendez. La grande majorité ont déjà subi l'attaque de cet après-midi. La forêt s'est retrouvée à accueillir un certain nombre d'entre vous. Elle le refera sans aucune hésitation. Si la forêt se doit de préserver vos villageois, elle le fera avec plaisir. J'aurais fait du sale à s'est réincarné, ma gueule. De les maintenir en vie. Vous êtes tous conscients qu'il y a une énorme menace. J'espère les attaques ce soir à les réincarner, les gars. J'aime trop les combats contre les réincarnés. Et à l'heure actuelle, on aura besoin du soutien de chacun d'entre vous. En fait, ils ont 10 millions d'HP, frère. Et également, d'un effort commun. Ils ont 10 millions d'HP, c'est-à-dire qu'ils peuvent battre en boucle. T'étais qu'en train de tuer, frère. C'est pas pour rien que nous vous avons tous rassemblés. Vos villageois seront chacun les bienvenus. Que le premier village qui souhaite parler parle. Nous vous laissons donc la parole, dirigeant de chaque pays. Vous voulez que j'y aille, Nobu, vous y allez. Et je ne sais pas quelle est votre stratégie. Je t'en prie. Tu as l'air motivé, Mazaru. Vous êtes pour la l'alliance. J'ai envie de voir cela. Vous allez bien aller, je vais tuer tout le monde. Pour l'alliance, ça nous parlait très limité. Lorsque celle-ci s'arrêtera, la guerre continuera et nous y serons au sommet. Bon, je pense que du coup, par élan de politesse, certains villages ne savent pas prendre la parole. Ah Mazaru, Chiwa, du coup, vous pouvez commencer à prendre la parole. Nous ferons du coup un tour de table. Se lancer. Yakuza, ensuite Konoha, Suna et Iwa. Eh bien, c'est simple. Comme l'a dit le ninja auparavant, une menace rôde dans ce monde ninja. Des ninjas intuables, avec des capacités de chakra quasiment infinies. Et je sais ce que je raconte parce que je les ai affrontés à maintes reprises et je possède Sameada. Leurs réserves de chakra sont quasiment infinies. Je leur ai déjà tranché la tête, elle a repoussé. Je les ai déjà brûlés, leur corps est resté intact. Ceci n'a rien à voir avec tous les ninjas puissants que nous affrontons tous les jours. Que ce soit les commandants ou les Hokage. Ils maîtrisent aussi des techniques de clan très avancées, telles que le Susanoo complet. J'ai vu des réincarnés Senju utiliser leur Senjutsu et autres. Pour tous les réincarnés, ils reviennent avec un niveau absolument exceptionnel. Et si je dois être honnête, aucun ninja ici est à la hauteur. Et pourtant, j'ai beaucoup d'ego. Je dirais même aucun village entier n'est à la hauteur de cette menace. Seul. Par contre, si nous nous allions, je pense que nous pouvons éradiquer cette menace. Il y a plusieurs solutions pour se débarrasser de ces ninjas invincibles. Tout d'abord, il faudrait essayer de les affaiblir et ensuite de les sceller. Secondo, nous pourrions tenter d'éliminer la tête pensante de cette opération, qui est Azura Kaguya. Il veut absolument détruire tous les villages. Il me l'a dit. Que ce soit Iwa, Suna, Konoha ou bien Amegakure. Il veut absolument détruire le monde entier. Donc ninja de chacun des villages. Moi-même ayant une haine quasi infinie envers Konoha. Je suis prêt à mettre mon ego de côté.
pour régler ce problème et s'allier. Ce soit avec Konoha, Suna, Iwa. Si nous ne nous allions pas, nous allons tous mourir. C'est aussi simple que ça. Je propose alors que l'on mette en place une alliance avec tous les villages présents. Que l'on mette tous nos problèmes de côté. Et une fois cette affaire réglée, que nos conflits reprennent, bien évidemment. Vous savez que la paix ne restera jamais infinie. Très bien, Oka. Je te laisse la parole. Je vais reprendre la parole. Merci, Matsaru. Ça va être très simple. Lorsque j'ai fait Lancer des embrouilles avec Suna. On ne vous l'a pas dit, mais nous avons discuté Nobu, c'est que le Sae oui. Et moi-même. Et nous avons déjà convenu d'une alliance contre l'armée d'Azura Kaguya, ainsi que lui-même. Alors les seules personnes pas au courant étaient Kuza et... Ça j'ai ignoré Kuza, mais vas-y voilà. J'ai dit une chose. J'ai dit que... Je ne m'allierai pas au village de Suna, vu que j'ai eu comme information que le Kazekage feinterait de nous rejoindre et nous attaquerait dans le dos. Mais je veux le savoir directement ici. Pardon. Est-ce réel, Kazekage? Est-ce que cette information est vraie ou elle est Madzaru, fausse? Madzaru, pour que tu le saches, cette alliance est seulement temporaire. Jusqu'à ce que l'histoire d'Azura soit dépassée. Tout simplement. Bien. Oui, c'est ce que j'ai dit à la fin. Voir, alors, une fois que cette affaire sera réglée, des informations, nos conflits vont reprendre. C'est litigieuse. Donc, Konoha est pour l'alliance contre Azura Kaguya. Nous avons pu affronter une infime partie de son armée, certainement les protagonistes de celle-ci, mais ils étaient seulement 4 ou 5 et... Je crois que le plus compliqué, c'était de gérer ces immenses oiseaux de Bakuton capables de terroriser un village entier. Alors, pour le bien des civils de mon village, je vais faire abstraction et mettre l'ego de mon village de côté. Même si il y a eu des boucheries entre nous aujourd'hui, nous allons tenter Konoha en rentrant dans cette alliance. D'éviter le plus de morts possible. Maître Nobu, il faut parler de Eiji. Il est certainement là, il sait qu'il est l'arme la plus puissante contre eux. T'en fais pas, on en parlera entre nous, pas avec... Est-ce que Suna souhaite prendre la parole? J'espère qu'Eiji il est là. Ah mais ça va fermer en fait. Alors Okage direct. Bref, parfait. Je suis très fatigué. Okage a besoin de sa carte actuelle. Pas vraiment la même voix que d'habitude. Il est simple, j'ai toujours garanti la protection de mon village. Si je dois, on va dire, m'allier avec le diable, je m'allierai avec le diable pour protéger mon village. Conséquent, par contre, je n'oublie pas les choses qui ont été faites par le passé. Nous avons déjà eu ces discussions, nous avons déjà commis une, entre guillemets, alliance, mais ces alliances sont souvent brisées, quoi. Mais bon. C'est-à-dire qu'on laisse le bon soupçon et qu'on verra pour la prochaine fois. Par conséquent, Suna, même si bon, j'entends des rumeurs qui me fait doucement rire. Et bah s'endormir là, non? Pas. Je fais exprès d'esquiver pour attaquer dans le dos. Cela est faux. Nous avons le jour même où j'ai reçu l'invitation, nous sommes fait attaquer par ces réincarnés. J'ai été grièvement blessé. Maître Amekagi, je le note, ça ou pas dans le script? C'est plus un Uchiha, plein d'autres clans. Mais le... Malheureusement, j'ai eu des blessures. Ok, ok. Je plaisante, abruti. Mon membre de l'assemblée a quelque chose à dire. Ouais, je savais. Bien. Comme l'a dit Kazekage, font tout ce qui est en notre possible pour protéger notre village. Et je pense que c'est pareil pour vous tous. Néanmoins... J'aurais peut-être quelque chose à dire. Comment nous, Suna, pourrons faire confiance à des pays comme vous, Amé, même lorsque cette menace pèse sur notre monde ninja, même lorsque certains de vos ninjas se font attaquer dans la journée même, nous traitent de malpropres. Venez nous attaquer. Non, entrez pas dans ce règlement de compte. Venez capturer une vingtaine de ninjas. Ils savent très bien pourquoi on a fait ça. Notre
une puissance de certaines choses. Deux, à vrai dire. Permettez-moi de répondre, cela n'a rien à voir. Nous parlons de la menace qui risque d'éradiquer le monde shinobi. Ce n'est pas des petites batailles ou des captures qui se font quotidiennement qui vont changer quelque chose. Est-ce que vous avez affronté ces réincarnés ? En affaiblissant notre village. Oui, mais c'est donc en affaiblissant notre village que vous comptez combattre cette... Vous savez que ça n'a rien à voir, la réunion se fait maintenant. Écoutez, ouais, jeune homme, pourtant, mettez, les attaques, mettez votre ego de côté. Actuellement, on parle... On est à votre place, vous n'avez rien à faire là. Il n'a aucun ego, comment pouvons-nous... Le conseiller du Kazekage nous a autorisé à tuer vos 20 ninjas dans la négociation. C'est vous qui vous affaiblissez vous-même. Apprenez. Je pense que nous égarons de discussion. Nous nous égarons. La réunion a eu lieu maintenant. Sujet. Maître Matsuzaru, Uchiwa marque un point. Nous ne sommes pas là du coup pour un règlement de compte ou autre. Nous sommes là du coup pour résoudre une problématique suivante. La problématique qui est Azura Kaguya et son armée de réincarnés. Nous ne demandons pas de faire ami ami, nous demandons de collaborer. Tout simplement de faire une collaboration afin d'éviter que ce désastre puisse causer des dégâts à chacune des factions présentes. D'où le sens de cette réunion. Donc du coup, je vous prierai du coup pour vous exactement de cette Tsuya et ainsi du coup pour les prochains intervenants de se concentrer uniquement sur le sujet qu'est Azura Kaguya et son armée de réincarnés. Il me semble du coup que le Tsuchikage et Kusa n'ont pas encore pris la parole, donc si vous le souhaitez, Tsuchikage, parfait. Je vous laisse la parole. Il peut pas parler. Et respect à tous, à toutes les nations. La dernière fois que j'avais parlé de Zen Réunion des Kage, c'était pour me faire lyncher par absolument toutes les nations. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je sais que, par exemple, Kazekage, vous et votre nation, ne pouvez plus rien me faire. Par ailleurs, Jinsaku, j'aimerais profiter de ce moment, de ce moment où tout le monde est réuni pour faire part de ta missive que tu as démenti à l'instant avec ton Kazekage. Merci pour votre aide. Ça ne te dérange pas. Si ça te dérange, tu peux me le dire et on réglera ça en privé. Oui, bien sûr, c'est des informateurs qui me l'ont envoyé. Tu as envoyé une missive à l'Assemblée. Enfin bref, je vais la lire en vous épargnant le pavé. Excusez-moi. Donc, mais ouais, ce que j'ai pour but, compte, c'est demander à Konoha de centraliser leur offensive sur Ameiwa. Je ne parle pas de là d'alliance, mais d'une stratégie. Je ne demande pas à ce que l'on soigne ou combatte à leur côté, mais je veux qu'on les évite, centralise les attaques sur eux. Ou les trahir dès qu'on a l'opportunité, c'est très difficile à lire. Un vrai stratège. De Jinsaku aux membres de l'Assemblée de Tsuna. Bien, ils réglons ça en interne. S'il ce n'est pas plaît, le mot d'ordre de cette réunion, s'il vous plaît. Attendez. Eh bien, ça devient intéressant. On va pas régler ça en interne. Heureusement qu'il lit cette missive. Heureusement qu'il lit cette missive, on va pas régler ça en interne. Comment ça? On est à une réunion de Kage. Heureusement qu'il lit cette fichue missive. Il est vrai, mais cette réunion a un ordre spécial. Maintenant, les masques tombent. Maintenant, les masques tombent. Avec, le Hokage, maintenant, on n'est plus hypocrite. Il y a des tabous entre nous. J'ai la preuve de la missive. Hey, il est venu comme Patrice Carteron, je te jure. Il a sorti des feuilles A4. Bah, génial. Donc, on vient à une réunion de Kage, Tsuna. Je pose la question, je fais preuve de bonne foi, je vous crois. Lorsque je reçois une réponse, et c'est comme ça qu'on est traité. Incroyable. C'est comme ça que on se permet de se foutre de moi allègrement. De tout le monde ninja, je dirais même. Bien. J'accepte l'alliance seulement si Tsuna est est mis de côté. Voilà, c'est ma seule. Ma seule requête, que Tsuna continue d'être attaqué, que les ninjas de Tsuna continuent d'être traqués dans leur coin, et que pour les autres, ils ne soient rien fait. Attendons au moins la réponse du Kazekage. Je pense qu'il ne faut pas les écarter directement. J'attends juste la preuve. La voici Laissez la preuve. Laissez le Kazé s'exprimer quant à cela. De plus, il me semble que ça a eu lieu avant notre réunion. Maintenant, ce qui importera, c'est ce qui aura lieu une fois que celle-ci sera terminée. La menace, si je peux vous couper, la menace d'Azura Kaguya était déjà présente lors de cette missive. Donc ça ne change absolument rien au plan. Il y avait Azura Kaguya qui menaçait quand même de détruire toutes les nations. Ah, c'est faux, c'était le 14.
Cet après-midi, il n'y avait pas encore d'alliance. Donc, vous confirmez que c'est vrai. Dans tous les cas, actuellement, si on laisse un nation toute seule, vous savez très bien autant que moi que ça ne prendra que 5 minutes pour l'armée d'Azura Kaguya de détruire cette nation. Et... Écoutez, mais attendez, laissez-moi finir. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pour si Azura Kaguya, si Azura Kaguya prendre de l'armée de Suna, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? L'armée va s'agrandir et ensuite. Avec eux. Oui, bah oui. Pour qu'après que l'armée s'occupe de Konoha, de Kusa, de Dame et ensuite d'Iwa. Alors qu'elle vient d'avoir son indépendance. C'est ça que vous voulez, Tsuchikage? Retournez à votre place, c'est nous qui nous battons tous les jours contre les réincarnés et pas vous. J'ai pu me battre contre certains. Bien, calmez-vous. De Konoha et tout était possible. Silence. Calmez-vous. Assemblée, silence. Maintenant. Tsuchikage n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais j'aimerais bien entendre la voix du Kazekage. Qu'est-ce que vous avez à dire suite à cela? Attendez. Du coup, sachez que l'on a dans tous de l'honnêteté. Si cette missive est vraie et réelle, bien évidemment, nous attendons de l'honnêteté et potentiellement des excuses. Vous savez très bien que sans nous, votre village exploserait en un clin d'œil. Non, mais bien sûr, je comprends, mais. Ça date du coup d'il y a une année. Je voulais la missive. Écoutez, Kazekage. Kazekage. Je peux parler, dernière fois. S'il vous plaît, au cas. Non, mais là, je vais juste vous dire un truc simple. Même si la missive date, même si, voilà, il y a des antécédents où Konoha a déjà été attaqué par Ame et où Suna, qui devait être notre allié, s'est retrouvé complice en ne faisant rien, en donnant des directives qui étaient contraires à notre menteur, village. Oka, du coup, tu es sur Renzo. Écoute. Voilà, je vous confirme. Je suis pas venu ici pour qu'on m'amuse avec Ame. Bah, moi non plus, je ne peux pas mentir. Je suis pas ici pour qu'on m'accuse de choses qui ne sont pas fondées. Il n'y a pas eu d'alliance. Bah, comment dire, j'ai l'impression que... Mais bon, j'ai l'impression que du coup, la discussion tourne en rond. Il me semble que... Enfin bref, du coup, je vous lis la missive que j'ai devant moi. Guerre Kiri contre Kumo, si je ne me trompe pas. Je compte me rendre à Konoha pour discuter avec Sarutobi et Oka, leur proposer quelque chose. Tout d'abord, une suite à ma capture par les ninjas d'Iwa, j'ai grandement à remarquer une alliance entre Iwa et Ame. Donc, ce que j'ai pour but, c'est de demander à Konoha de centraliser leur offensive sur Ame et Iwa. Je ne parle pas d'alliance, mais d'une stratégie. Je demande pas à ce que l'on se soigne ou combattre à leur côté, mais je veux qu'on évite et qu'on se centralise les attaques sur eux. Donc, littéralement, ce qui parle, c'est une alliance avec Konoha pour se battre contre Iwa et Ame. Vous avez oublié la fin de la missive. Et qu'en est-il de cette fameuse trahison par la suite? Je n'ai pas de fin de la missive. C'est ridicule. Jin Saku disait que la missive datait du 14. Il n'a pas démenti cette missive pourtant. Effectivement. Et après, c'était juste un vote. Juste un vote. Vote pour ou contre. Qu'est-ce qu'on a fait? Le vote et. Je ne comprends pas les. Des arguments en béton. Écoutez, Suna, surveillez votre langage, vous êtes Kage, je pense. C'est quoi, vous avez 14 ans à dire argument en béton? Écoutez, vous n'êtes pas des. Parlez en tant que Kage. De vous échauffer. Calmez-vous. Vous n'êtes pas des. Ne me donnez pas d'ordre. Tsuchikage, calmez-vous. Essayez d'avoir une discussion correcte entre Kage. Vous devez quand même vous. Montrer ce qui est dommage, un respect ce qui est mutuel. Dommage, c'est que là, nous sommes aux portes de l'anéantissement du monde Shinobi et que des villages, en particulier Suna, tentent de ruser. Écoutez, ce n'est pas, ce n'est pas en faisant cela que nous avons réussi. Bien, d'après la missive, vous tentez des ruses pour vous positionner devant des villages pour. Peut-être avoir des faveurs, etc. Ou couler des personnes. Je suis d'accord, parce que vous voulez vous venger. Beaucoup d'années que vous êtes je suis d'accord. Là, mais oui, voilà, merci. Non, mais je suis d'accord que vous voulez vous venger. Je suis d'accord que vous voulez anéantir, etc. des villages.
Mais c'est pas le moment. Là, on vous dit vraiment que ce n'est pas Mazzaro, le moment. Je pense que vous pouvez revenir à votre siège. Faire les frais personnellement. C'est vrai que la conversation du coup reprend un sens beaucoup plus noble. On va faire cette alliance pour enterrer c'est pour les défunts. Ta grand-mère m'a dit aussi. Sur la table, franchement, on aurait pu en parler autre part. Là, on parle d'Azura Kaguya. Tu n'as pas l'impression que Mazzaro, il n'est pas beaucoup plus réfléchi maintenant. C'est préférable d'avoir directement les faits en face. C'est des faits d'armée. Et pouvoir en parler pour mettre tout à plat. Vous pouvez vous exprimer. Il faudrait qu'on capture. Il est vrai que crever un abcès permanent permettrait en effet une meilleure coalition. Et je pense que cela, aucun Kage ne pourra me le retirer de ma bouche. Si vous trouvez un terrain d'entente, eh bien, faites coalition avec Suna. Parlez de cela. Les mots est une des armes les plus puissantes du monde Shinobi, après tout. Il n'y a pas que vos poings ou vos jutsu. Qui vous servent d'armes. Alors servez-vous de vos mots un de manière intelligente. Côté Konoha. Faites preuve de plus d'intelligence qu'actuellement Azura Kaguya en fait partie. Je pense que tout le monde ici présent tient à son village et à ses citoyens ou bien à ses shinobi. Encore une fois, nous sommes ici pour traiter et pour vous héberger une réunion afin que vous puissiez parler d'une coalition et non vous jeter des missives de ruse à la figure. Alors c'est certes, si vous souhaitez crever l'abcès, faites donc. Mais n'oubliez pas le sujet principal, qui est la coalition pour éradiquer un ennemi que vous avez tous en commun actuellement. C'est tout exactement. Ce que j'ai à dire. Vous pouvez reprendre. Excusez-moi, Okage, mais quel est ce serpent sur l'un de vos ninjas derrière vous ? Eh bien. Mais c'est. C'est quoi ça ? Je m'exprimerai. Mon Okage ne le sait pas. Et vous ne tarderez pas à le savoir. Tous. Disons que ce sera la surprise pour la fin de réunion si vous le souhaitez. On ne s'ennuie pas ici. Donc. Que de surprise. Eh bien. Eh bien. Si vous voulez faire ça maintenant. Bon, autant que. Attendez, mon cher. On va laisser parler Kuza qui n'a pas parlé du tout. Ça ne vous dérange pas. Si vous le souhaitez, Kuza. Oui, évidemment. Et bien. Il écrit Kuza. Il aime pas de trucs, ça qui est. Et bien, pour faire simple, nous aussi, nous souhaitons éradiquer la menace d'Azura Kaguya. Pour faire simple, il a tenté de nous attaquer et j'ai su raisonner avec lui. Je ne sais pas comment encore, à vrai dire. Non! Les mecs, non, ouais, faut laisser la scène là. En plus, j'avais une idée de fou pour les villages. Voilà, j'avais une idée de fou, frère. Il va sûrement relancer, les gars. Je pense qu'il y avait la fermeture automatique. Ah, c'était exceptionnel. Ça éteignait l'ancienne réunion des Kage là, vu que c'était plus calme. Ok. Ah ouais. S'il y a des mecs sur la scène qui regardaient mon stream, Roro, il va relancer les mecs. Roro, il va relancer, Miskid, il était son PC, il était éteint. Ça va revenir, mec. Il s'est lancé normalement. Carré, les mecs. Who's bro? il nous a dit qu'il y a la scène. En vrai, ça va, elle était lourde. Suna, ça leur a bien. C'est précis, il voulait pas assumer le Kazekage, frère. Ça y est, assume, tu voulais baiser les gens. Tu voulais baiser les gens, assume ma gueule, c'est tout. Dis pardon, tranquille. Suna, miskin. Entraînement de guerre. Non, ben non, là, on finit la scène, les mecs. Il vient de se réveiller. Non, je pense pas. Il dort tôt en ce moment. J'arrive pas à me co. Non, c'est un ouf. Comment ça. C'est le cas, je dis. Sae Kaguya, il est arrivé comme Patrice Carteron avec les feuilles A4. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte avec sa missive? Ah, je suis mort. Il est venu avec une grande feuille. J'arrive pas à me reco, frère. Herbie de serpent à Kodoa, c'est dinguerie, ouais. Je vois, il y a un big serpent derrière Oka. Je me dis, wesh, c'est Azura, ça va se péter. J'étais prêt, là. Hein. Je commençais déjà à regarder mes spells et tout, si j'avais le bon truc Kenjutsu au bon endroit.
Là, c'est un peu Nobu, chef, il est zéro crédible. Non, mais Nobu, il préfère me laisser, genre, justement, je pense. Il est plus en mode, il fait des petits commentaires et il chill. C'est vrai qu'Orochimaru, de base, il vient de Konoha. Hein. Peut-être que c'est autre chose. C'est illogique, non? Bah, Orochimaru, à la base, c'est l'armée Serpent, il est à Konoha. Moi, je suis pas au courant. Mais ça se trouve, c'est autre chose, parce que j'ai l'impression que c'était prévu, hein. Tout le monde était en mode, ouais, tranquille, on verra après. J'ai niqué leur reveal. Peut-être c'est un mec de la forêt, genre, je sais même pas ce qu'il ninja. Sous Korbach. Ça y est, abuse du bring. Je sais même pas s'il a pris le bon chemin. D'ailleurs, ouais, Chavé, il m'a emmené dans le mauvais chemin, frère. Interdit de Zeb, je sais pas où il est, moi, le lac, frère, il est là, non? Merde, c'est un autre lac. Tu trouves ou pas, Matsuru? Non, Karasu, je suis bloqué là, je sais pas où c'est. Mais c'est au lac là, mais juste attends. Ah, ok. Faut attendre que ça revienne. Attends. Ah oh bah ouais, mais. C'est l'heure de seconde. Oui, je vous demanderai de patienter juste un petit peu, s'il vous plaît. C'est un ouf, mamie de patate. Voilà. Ouais, ça sent le CV. Eh bien. Attendez, s'il vous plaît, du coup, nous allons réinstaller les tables et après, du coup, vous allez pouvoir vous rentrer. C'est ouf, il était grave tactile au cas, wesh. Ouais, ah non, ouais, je pense pas. Ah, j'espère que t'as sur... bien écrit. Mais respect, Dojuju. Oh non. Hey. Tout noté, même non, les blagues, j'ai écrit. Tout noté. Quoi? Non, je sais pas lire, c'est différent. Ah, pareil. Ça va, Dojuru? J'ai plus de cagué, déjà, ouais. Il y a deux mois. On va dire deux menaces. T'as bien fait. Y'a Babinski? L'ancien nommé Kage. Babinski. Du côté de Saikaguya. Donc je suis parfaitement conscient de l'ampleur de cette menace. Nous n'allons pas avoir d'autre foi pour moi. Pardon ? Tout à l'heure, j'ai dû me battre contre Ebi. Effectivement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Comprenons que vous ayez chacun des... On les a repoussés, quand même. Ça va. Bon, Shinobi, aujourd'hui, chacun... Bon, de ils vous ont attaqué à combien ? Ils étaient une dizaine, je me rappelle, il y avait un petit chien, Kaguya. Ben, il y en a de plus en plus qui vont attaquer, sans arrêt. Et... Ah, j'imagine bien. Bon. S'ils le voulaient, ils auraient déjà détruit votre village. C'est tellement faux, ça. Je l'imagine bien. Tout à l'heure, ils étaient très nombreux. De l'attaque sur le village de Kusa, d'Oto et sur le village de Yuki. C'est un ouf, mais comment on fait slash IT? On avait beau se donner... Toute notre âme, c'était très compliqué de les contenir. Dans tous les cas, vous ne pouvez c'est pas les tuer encore. Nous avons tout ce qu'on vient. Effectivement. On avait beau leur couper le bras, leur écraser la tête, peu importe. Il n'y avait aucune solution. Esmahli, mais toi, t'as écrasé la tête à qui? Voilà, du village, frère. Moi, je lui ai jump sur le crâne. Et vous allez faire quoi, dites-moi? Vous êtes les représentants des Samoa, non? Absolument pas. Je suis un ninja, comme vous. Vous y ressemblez beaucoup, pour ça. Je comprends. J'ai vraiment me la pété cette tenue, les mecs. Je vous présente, Toporo Miwa. Ouais, maintenant il est là. Enchanté. Il est de quelle ville? Ouais, l'ancien. Sans indiscrétion. Je ne viens d'aucun village, mais j'ai grandi proche du village de Kusa. Ça va? Je suis un vagabond depuis que je suis enfant.
Ah, toi aussi? Bah, c'est la première fois que je vous vois, je crois. Effectivement. C'est notre première rencontre, Mazaro. Enchanté alors. Enchanté en tout cas à tous. Pas voulu m'accompagner, du coup. Il est sous panthère noire, le Queen Harry, je me fais pas peur celui-là. Bien, il me semble que. Du coup on peut y retourner. J'ai Kageno. Effectivement. T'as dit quoi là? Position. Et toi, t'es un fou, toi. C'est mon style à moi, ça. C'est mon style à moi, ça. Ouais, je sais. Mais moi, je peux copier, moi. Ah, c'est le Sharingan. Eh ouais. Je sais qui s'est envoyé un truc de ouf. Bien, on attendra juste les derniers retardataires et on reprendra avec Kouza qui parle. Ça ne vous dérange pas? Non. Merci. Non, mais pourquoi il n'y a pas... Normalement. Oh, frère, je suis dégoûté. Il n'y avait pas la Samyada bien garnie, t'as vu? Moins 10 000 aura, frère, je te jure. Wesh, ça me parle, moi j'entends rien. Hein. N'oubliez pas de crier lorsque vous prendrez la parole. Y'a quelqu'un qui parle actuellement ou je suis fou? Non, personne parle. Non, personne ne croit pas. Ça va et toi? Je suis à Taïo. Il me semble que c'était à Kouza de parler, non? Effectivement. Je crois que c'est pas arrivé. Bien. Je pense que tout le monde est là. Affirmatif, si tout le monde est là. Perdu notre charisme, mais continuons. Tant pis pour le charisme. Parfait. Eh bien, comme je disais, Kouza est totalement d'accord pour cette alliance. Disons que nous n'avons pas les forces nécessaires afin de contrer la menace d'Asura Kaguya. Et c'est pourquoi nous allons nous joindre à vous si une alliance est créée ce soir. En mode. Du moins, si une alliance entre tous les pays est créée. Tout à l'heure, il était là sur le pont. Suna a été remis bronché, un peu alors de côté, que je suis allé visiblement, lui crier et je trouve ça un je peu pas un lui, les missives. Voilà, tout simplement. Bien, je crois que nous avons fait le tour, mais du coup, tant que vous avez vidé un peu votre sac, parce que tout le monde est d'accord. Pour cette union, ça a d'autres choses à dire ou non? Dernière chose, une dernière chose qu'il est important de préciser. Autour de cette table, vous êtes tous là pour la plupart des grands ninjas. D'ailleurs, tout à l'heure, au cas, j'étais avec vos côtés, vous avez pu survivre aisément face à plusieurs Eto Tensei. Mais dans vos villages, il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de se défendre. Ce sont les vraies victimes. Des civils. Des femmes, des enfants. Ils sont tombés lorsque vous prendrez votre décision. Mettez de côté vos égos. Ne pensez pas à ce Jutsu. Ne pensez pas à Epelabou. Ne pensez pas à ce qu'ils m'ont volé, etc., etc. Pensez à ce que les Eto Tensei ont volé à vos civils. Car non, vous j'arrête d'écrire si en vous êtes plus à la tête aussi, de puissance... Et vous êtes des chefs militaires, c'est avant tout pour protéger les vôtres. Pensez à cela. Ce sera mon gars en plus, Arutobi. Bien, moi j'ai une idée, moi.
J'ai une idée, mais il faudrait voir si c'est possible avec les Daimyo. D'abord, je propose qu'un traité soit écrit, afin que, à la fin de cette mission d'éliminer l'armée d'Azura Kaguya, il n'y ait pas de ruse ou bien de trahison en pleine bataille. Secondo, il faudrait voir avec les Daimyo si c'est disponible, si c'est possible, mais j'aimerais que l'on crée une cloche commune, uniquement liée aux attaques d'Azura Kaguya. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur plan. Ils peuvent attaquer le pays du vent, comme ils peuvent attaquer le pays de la pluie, ou du feu, ou bien Iwa, ou je ne sais quel autre pays. Eh bien, mettons en place une cloche commune qui alerterait au moins les grands ninjas de chaque attaque d'Azura. Ainsi, nous pourrions nous entraider beaucoup plus rapidement et les aider à les repousser le plus vite possible. Une cloche commune, cela existe déjà, ne vous inquiétez pas. Est-ce que cette cloche serait à la disposition de n'importe qui? Non. Je pense qu'il faudrait un grade minimum ou faire partie du haut commandement ou du conseil au minimum afin de l'utiliser. Afin d'éviter les erreurs. Je pense que je suis d'accord. Cette cloche existe déjà, si vous voulez le savoir. Vous peuvent l'utiliser. Je l'expliquerai, mais on va dire plus en amont, plus en privé. Mais elle existe déjà. Très bien. J'aimerais aussi que l'on ait des espions. Lorsqu'il est venu dans le pays de la pluie, il a proposé à des ninjas de le rejoindre. Avoir certains ninjas dans les rangs ennemis pourrait nous prévenir de ses attaques. Et du coup, nous pourrions nous organiser un peu mieux. Afin de repousser l'ennemi et d'éviter un maximum de pertes. Des espions. Des espions de chaque village. Je ne sais pas. Faudrait aussi observer les endroits où ils se réunissent. Le village de Kiri, la prison de la Yugure, plein d'autres endroits du même genre. Une alliance de forces spéciales inter-villages. En effet, nous pourrions mettre à disposition quelques forces spéciales afin de surveiller toutes les entrées et sorties de cette armée. Bien, ça peut être une très bonne idée. Faudra simplement sélectionner les ninjas les plus discrets et les plus efficaces et nous les ferons collaborer. Pour qu'ils puissent partir en mission d'infiltration, de reconnaissance, de recherche d'informations, sans se faire griller. Il faut savoir que ces personnes ne contrôlent pas leur corps, et leur puissance est telle, comme vous l'avez dit, que si nous envoyons de faibles ninjas, ou des ninjas qui ne sont pas capables de fuir à la vitesse de la lumière, ils pourraient bien mourir d'atroces souffrances. Bien, si quelqu'un d'autre a des suggestions, c'est le moment. Oh, le serpent. Eh bien, des informations de la plus haute importance à vous révéler à tous. Je commence par la première des suggestions. Vous parlez de stratégie, de forces spéciales inter-village, des choses qui sont bien intéressantes, qui aideront, j'en suis sûr. Mais je n'ai pas entendu l'un de vous parler de la pièce maîtresse de ce plan afin de combattre Azura Kaguya. Il s'agit de quelqu'un qui a trahi Amegakure. Quelqu'un qui pourrait... Eiji. C'est exact. C'est bel et bien la seule personne qui puisse... Le Hej. Sceller... Les réincarner. Et si, je dis bien ici, j'ai peut-être une grande piste pour leur ramener, mais il faut que tous les villages promettent, même à Megakure, même si c'est un traître de chez vous, de ne pas l'attaquer s'il vient nous aider. Nous avons tous les cas, les plus grands experts en Funjutsu de ce monde, dont lui. Dans tous les cas, si nous l'attaquons et le tuons, nous allons nous tuer nous-mêmes.
Très bien. Dans ce cas, j'en viens au deuxième point, qui est selon moi le point le plus important. Ça veut pas dire que c'est vrai ce que j'ai dit. Comme vous avez pu le voir, Azura Kaguya est un grand artiste à sa manière. Il procède par vagues. Il réincarne des ninjas de plus en plus puissants. Et l'information que je vais vous dire est vérifiée et je peux vous envoyer tous les croquis dont vous avez besoin, si vous ne me croyez pas. Mais il faut l'exécuter au plus vite, car les deux dernières créations, lorsqu'il aura parfait son art, ce sont des ninjas que personne ne pourra affronter. Je dis bien personne. Ni les Kage, ni les Sanin, ni ce que vous voulez. Ces deux dernières créations, je les ai affrontées avec mon escouade, mais leur incarnation n'était pas encore complète. Ils étaient en train de tousser et leur visage se désagrégeait peu à peu. Je parle bel et bien de Madara Uchiwa et d'Hashirama Senju. Alors là... Vous allez souiller des légendes avec vos histoires, malheureusement. Écoute, jeune homme. J'ai du mal à y croire. Parle quand même... Hashirama, le premier Hokage, ainsi que de son rival Madara Uchiwa, des ninjas dont la puissance est telle qu'elle est simplement pas imaginable pour Madara, nous. Madara, je l'encule, tiens à le dire. À quel moment Azura Kaguya aurait pu se procurer, je ne sais pas, de leur sang, de leur ADN? N'y crois pas. Ça, je ne le sais pas, mais ça, Otobi peut le confirmer. Si vous ne me croyez pas, alors vous allez croire votre bras droit. Je lui ai envoyé toutes les preuves. Et la personne qui m'a confirmé cela n'est autre que Ebi lui-même, de son vivant. En effet, Maître Kage, durant une journée d'absence, Ebi est venu s'installer tranquillement au canapé. Maman a un rêve fou de vouloir réincarner Madara Yashima. Dernier sûr de lui et même vraiment très sûr de lui, il pense être capable de réincarner. Selon lui, en effet, grâce à la lame Yumu, il aurait assez d'ADN pour ramener Hashirama. Ce qu'il en est pour Madara. Je pense que ce jeu est peut-être n'importe un peu quoi. N'importe quoi. Personnellement, je n'y crois pas non plus. Lorsqu'Azura m'a parlé pour la première fois avec son armée, il m'a dit qu'il allait invoquer un dernier ninja. Et ce dernier serait surpuissant. Il ne m'a pas parlé d'un duo ni de deux ninjas. Après, eh bien, peut-être. Moi, je pense. Il est tellement fou. Je pense que si la formation. Manzaro. J'allais dire, il est tellement fou que je pense qu'il en serait capable. Je ne sais pas où il aurait pu retrouver des traces de mon ancêtre. En même ayant passé des années à le rechercher, je n'ai rien trouvé. Eh bien, moi, j'allais dire. Que si l'information provient de Ebi, j'ai aussi du mal à y croire. Je sais qu'il est fou. Je sais qu'il est capable de tout n'importe quoi, mais il est mort dans un premier temps. Réincarné par Azura. Mais surtout, c'est un menteur. Imaginez les gars, Tetsuya Karasuma par contre Oka en mode Bazaru, frère. Parce que je suis rentré dans la de la Yugure tout à l'heure. J'ai pu l'entendre dire qu'il était un ninja du clan Uchiwa. Alors, j'aimerais bien savoir de qui il provient, qui sont ses ancêtres directs. J'ai des Uchiwa, en tout cas un, qui peut peut-être m'éclairer, Mazaru. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Ebi Uchiwa? Malheureusement pour vous, non. Ebi aime bien jouer avec les émotions et mentir à tout le monde. Personnellement, je n'y crois pas. Oh, tiens, si je peux me permettre. Ça va être sûr de voir vos pupilles à leur place. Car en effet, Ebi m'ayant fait plonger dans un genjutsu, se vanter de les avoir volés et se pavaner avec votre Susanoo. En effet, j'ai pu reconnaître un Susanoo car il n'en existe qu'un seul. Le vôtre est bien unique. Donc, en effet, je pense que Ebi... Ouais, je sais que c'est Yujiro qui joue les deux persos. Bien, pour moi, ce sont des foutaises. Tout comme la réincarnation de Madara et Hashirama. Après, on ne sait jamais. Après...
Entre nous, même si... Attends. Même si cette guerre et cette alliance est la dernière du monde Shinobi, je dois dire que mon ego apprécie. Peut-être aurais-je la chance d'affronter Madara et Hashirama. J'en frissonne. Je n'osais pas le dire. Mais... Ça a été sûr. Eh bien, si vous ne me croyez pas, c'est simple. Vous pourriez demander à l'embout de Konoha, lorsque j'ai été envoyé en mission, comment expliquez-vous le fait que cela fait maintenant à peu près, je pense, plus de 4 ans que je sais qu'Azura Kaguya allait venir réincarner les gens. Comment je sais que Azura Kaguya allait s'allier avec Renzo de la Salamandre pour détruire le monde? Et tout ça est écrit dans un rapport avec la date indiquée dessus. Et je confirme bel et bien que ces réincarnés que j'ai vus et que j'ai confrontés étaient Hashirama Senju de sûr et certain, car il s'est transformé en colosse de Mokuton. Je ne connais pas d'autres ninjas possibles de faire ça, en tout cas à ma connaissance. C'est peut-être grand-mère. Et Madara Uchiwa me paraissait bien faible. Donc je ne sais pas si c'était vraiment lui. Classique ninja. De plus, comment avez-vous survécu contre Madara et Hashirama? Parce que je viens de le dire, la réincarnation n'était pas du tout complète. C'était que des vestiges. Mais même à 10%, c'est important dans ce monde. Ils étaient en train de se désagréger. Vous vous moquez de moi parce que je ne suis pas Kage, c'est ça? Non, non, c'est juste que Madara et Hashirama sont des légendes. Même à 10%, même en plein désagrément, bon, j'ai pas le mot, je ne pourrais... tout simplement pas, on va dire, perdre contre vous. Du moins, vous ne pourrez pas fuir. Hashirama, Madara ou non, au final, il y a toutes les nations ici présentes pour s'allier contre un ennemi commun. Même si Madara et Hashirama étaient finalement réellement présents, je suis convaincu que nous trouverions une solution pour les anéantir. Même si, effectivement, ça serait compliqué. De toute manière, nous verrons ça d'ici peu. Préparez-vous à mourir. Mais... je vous le dis. Sous-estimez une légende telle qu'Hashirama ou même Madara s'est foncé droit dans le mur. Je pense que ces deux personnes, contre l'entièreté de nos villages, feraient un tel grabuge, détruiraient tellement tout sur leur passage. Et on va voir ça quand il y a très peu de personnes pour compter l'histoire. Alors, je pense qu'on va plutôt prendre cela au sérieux. Je pense que tout le monde ici est d'accord pour faire une alliance. Azura Kaguya est capable du pire. Du pire. Effectivement. J'ai une autre suggestion. Actuellement, il n'a pas encore réincarné ces deux ninjas, du moins totalement. Ces deux légendes du monde Shinobi. Il en a réincarné déjà une bonne dizaine. Si ce n'est plus. Je ne sais pas où il en est. Il faudrait donc arrêter la menace le plus tôt possible, avant qu'il arrive au bout de ses ambitions. Je propose donc que lorsque l'on aura la localisation de Azura Kaguya, nous entamions une attaque, tous ensemble, à la source. Si nous le faisons tomber, il pourra réincarner personne. Plutôt que d'attendre que lui attaque avec toutes ses troupes au complet. Bien vu. Bah, ça va les gars, c'est simple, mais... Bien. J'y avais pas pensé, voilà. Mais tout à l'heure, j'ai pu mettre une magnifique fleur de lotus à Azura Kaguya et ce n'était qu'un clone. Ah. Donc je pense qu'il se laissera pas avoir aussi facilement. Ah, il va nous compliquer la tâche. Organisons un assaut sur leur base, c'est la prison Yugure. Et on pourra sceller le maximum de réincarnés en tout cas. Je sais pas en RP. Ça peut être une bonne idée. Sinon, vu comment l'artiste est plein d'ego, on pourrait s'allier avec tous les villages,
ramener les ninjas les plus solides et les plus puissants. Choisir un secteur. Et tous les affronter. Pourquoi il accepterait de faire ça? Il sait qu'il perdrait au final. Bien, je pense que... il verrait cela comme une opportunité de tuer un maximum de ninja. Et de détruire... Bah, c'est la troisième grande guerre, les gars. L'armée, ainsi que puissance. Pour moi, il accepterait. De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. C'est le mieux pour nous. Peut-être qu'il attaquerait nos villages pendant que toutes nos forces sont réunies autre part. Oh, on ne réunira pas nos forces avant qu'il accepte. Et je pense qu'on prendra nos précautions. Ah, j'ai plus personne à ma mise, mais comme ça t'es au courant. Parfait, mon frère. On a été vengé alors. Je vais faire une conve Discord, les mecs. Eh bien. Que chaque Kage est d'accord pour cette réunion vienne au centre. Eh bien, nous assistons en ce jour. Côté Armor, ils ont rejoint à 1h10 de run. De tout le village face à une menace. Les rois, frère. Kiki, demain je commence le speedrun, oui. Sache-le, frère. Allons, les Kage, sortez du cercle, s'il vous plaît. C'est moi qui leur ai demandé. Ouais, non, mais j'ai dit bien dommage. N'oublie jamais que l'instigateur de tout cela, c'est le village de Kiri. Et voyez-vous le Mizukage ici ? Pas vraiment. Eh bien... on a pu tuer le Mizukage tout à l'heure. J'ai pu récupérer On a pu tuer le Mizukage tout à l'heure, j'ai pu récupérer Kurabu sur son corps. Le corail, voyez-vous. Le Mizukage n'était qu'une marionnette de plus d'Azura Kaguya. Je n'ai même pas besoin d'avirer, mes félicitations. Tuer un Mizukage n'est pas donné à tout le monde. Auto, c'est un méga couré ici, ma gueule. C'est une marionnette. C'est pas Shinharu qui aurait fait ça. Nous devons blâmer simplement Azura Kaguya qui se permet d'avoir le village en laisse. Zongo, que je te croise pas, toi. Civil. Zongo, voilà, je t'ai one shot. T4, pas T4, je t'ai one shot, frère. Je te jure, frère. C'est vrai, oui. Bien, je veux dire, j'ai un combo 100% one shot. Bien, déclarons cette alliance alors. Officielle. Putain, attendez les gars, c'est lequel le motif ou la sauver? Même quand c'est l'alliance ninja dans l'anime. On peut avoir quelque chose de solennel, quelque chose de officiel, oui. comme si on signait un contrat peut-être. Ça fait. Je sais pas, quelqu'un qui dirait. Nous déclarons l'alliance des villages. Voilà, enfin, vous avez compris. Oui. Des martyrs, ça va pas, y'a pas. Je pense que c'est aux instigateurs de cette réunion à le faire. Bien, Shinobi, marquez tous en votre mémoire et en ce jour. Merci pour les 500 la plus grande alliance et la plus grande coalition que le monde Shinobi n'ait jamais vécu. Retenez bien cela. C'est quoi, je dis chiffre. Un ennemi commun apparaît, de grandes choses peuvent être produites. S'il vous plaît, mettez vos noms. Tous les shinobis ici présents se souviendront de ce moment. Effectivement, nous sommes témoins de ce moment. Et même Azura n'arrivera pas à venir à bout de cette coalition. Non, je le pense. Je le pense bien. Et je suis fier d'avoir réussi à réunir tous les Kage au sein de notre forêt, c'est un vrai plaisir. Vous allez arriver à écrire. Il fallait écrire. Bon, ça, tu écras Tintin. En fin de compte, on fait pas si peur que ça, si nous avons réussi cela. Exceptionnel. Je pense que créer cette alliance, c'était déjà bien plus compliqué que les combats que nous avons déjà pu mener contre les morts. Je partage même ma vie avec toi, mon ami. Je comprends rien, vos documents écrivez pour moi. Non, votre nom, je vais écrire pour vous. Vas-y, je vais écrire ton nom à toi. Merci. Simple signature suffira. Mais le temps qui
Ah, le bouton. T'es le... Combien, Tsuchikage? Premier. Deuxième. Mais t'as pas tué deuxième, non? Non, il compte pas. Il sait même pas c'est lequel. Checkera son ami, mais faut aller se faire foutre. Ah. All for one, c'est de la frappe, non? De rien. C'est ça que vous priez? Bon, excellent. Curie. C'est-à-dire... Le jour où il a niqué la photo, frère. Je le vois pas. Ah, dis-moi. C'est quoi Kagebushin? Wesh, il a trop de flow, salopard. C'est un assassin de baiser, là. Fini de signer ce document. Bonne idée. D'une fois votre signature faite, nous aurons encore une dernière chose à dire. Je vous prierai tous de retourner à votre place. Que dirais-tu d'un entraînement entre Ame et Konoha? Et peut-être... Papillon, nous allons te laisser prendre la parole. Tout de suite, là, maintenant. Entre interpillage. À toi, de te Non. Ah. Voyons, okay. Il est tard. Lors de cet échange, vous avez mis... Mais moi, ça me va, moi. Peu importe qui important. Il y a, ça me Je vais demander à Aoki, alors. Propose-le directement devant tout le monde. Maître Nobu, maître Nobu, je n'ai jamais trop tard. Mais il se relève. Si nous avons parlé de maître Eiji, le fait que c'est sûrement la seule personne capable de pouvoir les neutraliser. Après, si vous voulez pas, il y en a qui veulent. Il faut aussi amener quelque chose d'autre sur la table. Il est jamais trop tard. Si vous ne voulez pas, on est là, on assurera, on représentera un entraînement de guerre bien comme il faut. D'apposer ses vaisseaux aux Edo Tensei. Qu'en est-il, le maître Gou des batailles et tout là? De manière continuelle. Capture de drapeau, tout ça là. Je crois que c'est vraiment. Le mot d'ordre, c'est qu'il serait très important de vous apporter maître Eiji afin que je lui présente. En plus, je crois que c'est vraiment la fashion week en plus, frère. Eh, sur le trottoir, les fashion là. Tu parles assez fort, j'espère. On a vraiment petit. Eh bien, ta voix n'a pas l'air de. Oui, on l'a entendu. C'est pas grave, je demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, tout choqué. Vous avez l'air choqué, hein, en effet. Hein. Ah oui. Moi, je suis pas très choqué. Non, c'est bon. En tout cas, je tiens à remercier les Kage de s'être déplacés. C'est nous qui vous remercions. Actuellement, la dernière réunion similaire qui avait eu lieu a mené à la troisième grande guerre. Aujourd'hui, cette réunion mène à une trêve. Alors c'est un grand pas que nous faisons. Merci à vous. Nous avons simplement émis l'idée et l'hypothèse et nous avons travaillé en étroite collaboration avec Kusa, à vrai dire. Je pourrais vous citer certains noms, mais franchement j'en ai pas très envie. C'est surtout beaucoup d'heures d'acharnement et de travail pour tous vous contacter et essayer de vous... Ça y est, voilà, on va pas te sucer, ma gueule. C'est lieu ce mois-ci. C'est pour ça que je vous remercie. Le plus gros du problème reste à résoudre, évidemment. Mais au moins, nous avons un début. Un début de solution. Et un terrain d'entente. Bon, puisque donc l'alliance est déclarée, que dites-vous d'un entraînement inter-village? Maintenant même. Dites-moi. Au centre de la forêt interdite. Mais non, voyons. On peut se permettre de choisir un secteur, voyons. Nous ne sommes plus en guerre. Enfin, du moins pour l'instant. Eh bien, si tout le monde est d'accord pour se faire un petit entraînement, faites-le. Est-ce que. Oui. Bah, voyez-vous. Nous vous suivons. Bah, voyez-vous. Position très intéressante. Comme tu sais, du coup, une coalition revient du coup également à ce que vos ninjas prennent connaissance. De leurs nouveaux alliés. C'est une très bonne idée.
essayant du coup d'aménager un endroit où vous pourrez commencer à connaître vos alliés. Et ainsi établir des stratégies afin de battre Azura Kaguya. Battez-les. D'ailleurs, tu vas aller dormir, également t'inquiète. Que l'art est éternel, mais que l'artiste ne l'est pas. Azura Kaguya décide à tomber un jour ou l'autre. Je tranche chacun grâce à le commentateur de cette assemblée. Comment ça, le projet va se réaliser? Et nous vous remercions infiniment. Et à force de... C'est censé... J'ai plus de salive carrément alors que j'ai écrit. Mais t'es censé être notre script, tu sais même pas parler. Mais t'écris avec ta bouche. Mais non mais... En fait... ça... Tout ça... Non non, voilà, en fait je t'explique. Ah, t'avais le pire. Voilà. Et bah c'est très simple, les différents villages du coup organiseront des sommets diplomatiques. Vous avez je pense tous les diplomates dans votre village, donc du coup ils pourront discuter continuellement, créer des relais de communication, et ainsi du coup se transmettre les informations à la minute près. Avec plaisir, oui, n'est-ce pas Jin, n'est-ce pas collaboration à tous. Oui, thank you. Également aussi, une coalition, ou plutôt une collaboration entre les différentes sections médicales et scientifiques. Du coup, il faut mieux connaître nos ennemis afin de mieux les abattre. Donc peut-être un front commun médical et scientifique Pokémon, pour que plusieurs ninjas du monde Shinobi soient soignés avec la plus grande des efficacités. Il faudrait également identifier les personnes qui peuvent sceller ces personnes. Eh bien... Bah, très bien, je pense que... Pour cela, nous avons dit son nom plusieurs fois. Il faudrait retrouver Eiji Asachiro. Et il faudrait que mon ami à côté de moi, Papillon, puisse lui transmettre cette technique qu'il apprendra assez vite, je pense. Afin de drainer le chakra de ses réincarnés. Pour ce qui est d'Azura, je pense qu'il est en vie et qu'il sa tête tombe qu'une fois. Après, il faut l'attraper. Pour ça, je me fais pas de soucis, vous êtes tous très puissants. Je m'occupe de contacter Eiji Asachiro. Oh. Je pense qu'il me répondra. Oh. Aïe. Si vous le souhaitez, Mazar, d'autres informations qui pourront vous aider également. Si j'en aurais besoin, je vous ferai appel alors. Très bien, je si vous avez besoin d'informations, vous alors. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci à tous et bon entraînement. Et que l'avenir nous soit favorable. Daikyo, viens voir. Gloire au monde Shinobi. Gloire à la coalition. Sachez également que je me rendrai auprès de chacun de vos villages. Vous avez essayé de faire T'as dit quoi? Je me rendrai auprès les de chacun. Les exploser. Ah Wayou, ouais, t'es arrivé au bon moment là, je pense. Ouais, je sais. Je pense sur l'assemblée. Ouais, on m'a prévenu. Ah oui. Ton ami du temps, toi. T'es vraiment arrivé au bon moment. Je dirais que mon ami Kage me prévient. Mais moi j'étais là. J'imagine Mizuko. Les soi-disant scripts étaient là. Oui, du coup, t'es ami. Eh oui, heureusement que j'étais là, Wayou. Nous rediriger vers la sortie si vous le souhaitez. Merci. Zaru, j'ai l'impression que tu t'interroges pas beaucoup sur le serpent de Konoha. Je t'en prie. Ah. C'est vrai, je sais même pas qui c'est. Ah, je vais aller le voir, t'as raison. Son serpent, il est tout moche. Laisse-moi passer. Oui, t'étais concentré, tu penses qu'à te battre. Il parle. Surprenant. Je m'appelle Monanda. Monanda. Oui, il est pas beau. J'ai jamais cru dire mon respect à un serpent. Non. Ah, et bah, il y a une première fois à tout. Il est vrai. Alors plus jamais. Comment il s'appelle? Oh, heureusement que ce n'est pas Manda qui est là. Mandanda. C'est Monanda. Monanda. Mandanda, vous avez dit? Ah, la chute. Monanda. Ah, Monanda. Respect, ok, très bien. Oui. Et en clin d'œil au serpent ermite Manda, celui qui avait été en contrat avec Ebi. Oh,
un contrat. Je le haise. Ouais, ça se voit, tu le baises. Bien. Burk. Il est ancien, le serpent. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Monanda? Eh bien. Pourquoi il serait de notre côté? Monanda, qu'est-ce que tu penses? C'est parce que... Oh, ne vous inquiétez pas, avec le temps aussi. Il est inoffensif. Enfin, elle est inoffensive plutôt, à moins que... Elle s'énerve. Ce n'est pas la réponse à ma question. Vous savez, je n'ai aucune confiance au serpent. Eh bien... Parce que... Et là, vous avez tort. Si je combats Azura Kaguya, que je ne cautionne pas ses actions, ne vous en faites pas pour moi. Je ne suis pas de son côté, quand bien même j'aurais des serpents. Bien sûr, j'ai le droit d'émettre simplement des doutes. Vous pourriez être un envoyé de Azura. Oui, s'il te plaît, je dois faire un truc. S'il te plaît, laisse-moi cette... Et lui donner toutes ces informations. Eh bien. Vous recueillerez. Et ça... On se doit d'être méfiant. Je te dis la vérité, Mazaru. Oui. Pour deux secondes, j'ai besoin que le monde soit ma tête. J'espère le tuer pour le surpasser en tant que scientifique et en tant qu'ermite plus tard. Oui, allez, viens, mon neveu, allez, on va rentrer dans le mur. Mais c'est pas Mizuki ça. Examnas. Oh. On est fatigué, oui. Je crois que Toki est devenu pauvre à cause d'un examen. Je crois que le vieux Sarutobi a l'air un peu fatigué là. Allez, oui. Vas-y, je crois qu'il a craint. Allez, viens, Karasu. Dites-moi, Mazaru, qu'est-ce que vous savez actuellement de Eiji actuellement? Je pourrais vous aider. Je sais simplement que si je cherche à le rencontrer, il viendra à ma rencontre. Il me fait confiance. Très bien. Alors prenez cette information avec vous. Il aura apparemment changé de nom. Son nouveau nom, c'est Coco, et il serait actuellement Pays du Feu. Vous devriez chercher par là-bas. Autour du Pays du Feu. Nous cherchons depuis de nombreuses années. Moi ? Ne vous en faites pas. Je trouverai le moyen de le trouver. Coco, vous m'avez dit ? Nous avons une solution pour... le contacter. Nous devons creuser encore rien de sûr, mais nous avons une esquisse d'espoir, on va dire. Très bien, très bien. Je pense que Ninja est notre esquisse d'espoir pour le coup. Faites-moi confiance, donnez-moi une semaine. J'ai des corbeaux à prouver partout dans le monde Shinobi. J'étais sur sa trace il y a un moment. Très bien. Et je pourrais la retrouver assez facilement. Si jamais... Nous comptons sur vous, alors. Si jamais je ne le trouve pas, je reviendrai à la forêt demander votre aide. Moi, je demandais l'accord. Tous les cas, vous êtes à cœur. Nous partagerons tous les Avec les trois villages communs. Si jamais vous réussissez à le retrouver, je vais demander bien, non le formulaire. Et quelques membres. Passive King, eh oui, poteau. Bien. Je m'en vais. Je rejoins mon Namekage. Eh bien, salutations à vous. À la prochaine. Bonsoir à vous. Eh bien, en effet, je pense qu'on devrait... Enchanté. Merci beaucoup, mon oncle. Je m'en ferai bon usage, fais-moi confiance. D'ailleurs, il faut que je te montre. C'est très pas mal. À la faune et à la flore de cette forêt. Que je vous parle sur respiration. Voyez-vous, mon clan. Il aspire l'air de toute la forêt, lui il est futogne. Il aspire tout l'oxygène. Puis-je vous parler, mon cher? Moi? Ouais. Est-ce que... C'est un ouf, comment il a réglé le bail? Ben, je tiens avant tout à remercier au nom des gardiens et ceux qui présentent également cette forêt de nous avoir prêté main forte dans ce conseil. Votre voix sage nous a été fort utile. Pas de problème, dans tous les cas. Je vous être exprimé. Si nous ne étions pas alliés, nous serons tous morts d'ici peu. Et peut-être que nous allons tous mourir quoi qu'il arrive. C'est une menace qu'il ne faut pas prendre à la légère. Non,
J'ai vu ces ninjas. J'en doute pour ma part. Maintenant, eh bien, au une moins, fois que ce conflit sera terminé, comme je l'ai dit, les conflits inter-villages reprendront aussi, je pense. Ça, c'est encore autre chose. La paix ne sera jamais éternelle dans ce monde. Faisons ça étape par étape. Déjà, si au moins... Eh bien. Pour le moment, ça peut déjà se calmer. Ça déjà pas mal. Exactement. Bien. Encore merci pour votre sagesse. Je vais me diriger chercher mon frère. J'ai peut-être une information qui pourrait vous intéresser. Une information que j'ai transmise... au ninja de Suna. Karasu. Disons qu'une certaine tribu nommée la tribu du serpent s'est entretenue avec les ninjas devant le bastion de Konoha récemment. Le chef de ces tribus, disposant de certaines facultés, notamment la marque maudite, à un stade assez avancé, s'est battu amicalement contre les ninjas du bastion et suite à avoir gagné tout simplement, il a énoncé le fait qu'il souhaitait se voir remettre le corps d'Ebi en échange de corps d'une certaine famille royale. Voilà, faites ça ce que vous voulez. Très intéressant. Savez-vous où je peux les trouver? Alors, je t'ai dit, j'ai un bras long. Effectivement. Dans le désert, non ouais. Du village de Suna. Très bien, alors. Je prendrai la permission au cas. Empruntez la frontière depuis le pays de la foudre. Et de la foule. Ah, ça fait plaisir. Bon, maintenant que vous parlez, je rencontre Maître Eiji. Oui. Que je lui parle tout ça. Merci pour votre information, Itami. Et puis voilà. Bah, venez. Ça pourrait vous plaire, je vous en prie. Il parle comme Sarkozy, wesh, la phrase de fou. Ouais, je ne vais rien dire. Je ne vais pas vous demander votre puissance. Midi ? Est-ce que vous vous sentez capable de plonger cette forêt dans un énorme genjutsu pour que. Bah, vous voulez vous entraîner, non ? Bien sûr, mais cela ne va pas... Plonger cette forêt dans une illusion... Si on s'y met forêt dans une illusion, et... Si on s'y met tous ensemble, il y a possibilité que la forêt ne subisse aucun dégât. Ah merde, voilà, j'ai vu son blaze. Très bien. Je vais m'en occuper. Il faut que je me rende à l'entrée. Cela va me prendre un peu de temps, mais... Le fond de la forêt, si vous le voulez. Vous faites l'entrée et le fond. Je vous suis. C'est vrai. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié encore une fois la force de la forêt interdite. Voilà, il n'y a aucune force. Oui, franchement, cette forêt réserve encore bien des surprises. Ah, vous êtes perdu dans votre propre petit endroit. C'est le centre de la forêt. Exactement, il y a le plus de chakras dans cet endroit. Très bien alors. Je vais monter sur cet arbre. Sur la branche. Ah, venez. D'être au-dessus. Non, ne vous en faites pas. Attends, du coup, il veut que je place un genjutsu énorme sur toute la forêt, Zarma. Big NA puis narration, bah c'est la même chose frère. Avec tes potes et tes amis. attends deux secondes. Je désactive mon Sharingan. Zarma tu fais un Tsukiyomi mais je sais même pas si j'en suis capable. Attends je vais demander à Tsuki parce que c'est lui le... Je pense qu'on est, on est d'accord hein. Je suis capable de tout en genjutsu. Merde. Karasu, va me chercher deux ninjas. Enfin, qu'ils me donnent assez de chakra pour réussir cette mission. Rappelle-moi, c'est pour faire quoi? Je vais te dire simplement. Ils veulent que je place un genjutsu sur la forêt tout entière.
pour la prévenir des attaques. Ça va te demander beaucoup d'efforts pendant longtemps, hein. Même quand tu seras en combat contre les réincarnés, sache-le. Après j'ai un saut de chakra. J'ai un saut de chakra qui est justement. Je l'ai toujours pas utilisé. J'ai un saut de chakra placé par Eiji où bah il en charge depuis depuis des années et des années. Utilise-le. Si tu penses que c'est la bonne utilisation pour celui-ci. C'est pour l'entraînement. Une fois que tu l'auras utilisé, il n'existera plus. Est-ce que tu penses que c'est la bonne chose à faire ou pas? Telle est la question. Ah mais attends, je crois que j'ai mal compris. Elle va leur redemander en bas ce qu'ils veulent. Je crois que c'est pour l'entraînement Intervillage. Ok. Le clan. Non, mais le clan de la forêt. Si, Matsuru demande ce que vous voulez. Sur toute la forêt, si j'ai bien compris. Mais demande-leur, c'est pour quoi faire? C'est pour la protéger ou pourquoi? Bien. C'est pour la protéger ou pour... quel est le but? Mais en gros, ça sert à quoi? Honnêtement, concrètement. Ok, j'ai compris. En gros, pour que Ninja ici puisse s'entraîner dans un monde illusoire, on va dire. Ah! Si j'ai bien compris. Ah, je pensais qu'il voulait que je crée une barrière complète. Bah. Allez, voilà. Allez dans vos mères. Non, mais c'est des ouf. Ah ouais, là, je croyais qu'il m'avait envoyé une sale mission, ma gueule. J'étais en mode, ah ouais, faut que j'envoie un game jutsu. Le Passive King, j'allais devenir ce mec du passif.